bien, merci à tous et à toutes, à toutes d'être là ce soir pour cette soirée, bien sûr, qui nous tient tous beaucoup à cœur. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est un peu la famille Guérin là, qui est réunie. Vous verrez, il y a beaucoup d'auteurs, d'alpinistes, et nous sommes très fiers, et puis d'amis qui sont là. Ils sont vraiment très fiers, très heureux que vous soyez tous venus nous rejoindre. Et en préambule, en lançant cette soirée, ben, ça nous semblait assez logique d'aller retrouver quelqu'un qu'on n'a pas oublié. Allez, on va passer 5 minutes avec Michel Guérin. Quand j'ai commencé l'alpinisme, les guides avaient des vestes rouges, des sacs rouges, des chaussettes rouges. Et pour moi, d'une certaine manière, évidemment, c'est le bleu du ciel et le blanc de la neige, mais la montagne, c'est quelque part rouge. La qualité, c'est cette espèce de trépied, littérature, aventure et écriture. C'est-à-dire que un livre qui serait écrit un petit peu à la hache, quant au style, mais dont l'aventure serait palpitante, on le prend de la même manière qu'un livre peut-être dont l'aventure est moins palpitante, mais dont le style est velouté, délicieux, etc., on le prend aussi. Eh bien, je m'appelle Michel Guérin, le même nom que mes éditions, forcément. J'ai 55 ans, j'ai été alpiniste, je le suis moins. C'est un petit rapport quand même avec les 55 ans, c'est un petit rapport avec la vie familiale, c'est un petit rapport avec le fait aussi que les responsabilités que j'ai prises avec cette petite entreprise et les soucis qu'on ne manque pas d'avoir jouent. Et puis voilà. Mais la montagne reste une passion et c'est peut-être aussi le livre qui est le prolongement de cette passion. Je me souviens très bien du premier ouvrage que j'ai publié. Et c'était Les Conquérants de l'inutile de Lionel Terray. Et j'étais très fier de commencer par ce titre qui est emblématique, qui est un titre tout à fait magnifique. La première année, je ne publie que Terray et Les Conquérants de l'inutile. Dès la deuxième année, je me dis, mais on ne peut pas être même luxueusement réédité, même très bien documenté avec un type de maquette qui permet à la fois de suivre le texte sans le rompre, mais en même temps de le documenter, de l'illustrer, de faire un objet précieux sans en faire un beau livre qu'on laisse sur une table basse et qu'on ne retouche pas. Donc il y avait ces ambitions-là, mais je ne voulais pas non plus m'enfermer dans ce qu'on pourrait appeler la production de différents musées sur papier. Vous voyez ce que je veux dire. Et la deuxième année, j'ai... ouvert par le biais des traductions, l'alpinisme français à une culture qui ne lui appartenait pas forcément, qui était la culture anglo-saxonne, qui était, c'est venu un peu plus tard, mais aussi la culture italienne par le biais de Bonatti. Donc il y a eu toujours ces deux lignes en parallèle de volonté de conserver ce qu'il y avait de plus précieux et la volonté d'apporter ce qui était moderne. Et je crois que le succès est né de ce cocktail. Et puis, la deuxième chose qui a fait le succès de ça, c'est vrai que l'alpinisme est un petit peu en difficulté quant au nombre des pratiquants. Alors là, j'ai souvent l'habitude de dire que mes lecteurs ont été pratiquants, un peu comme moi, mais que c'est pas parce qu'on cesse d'être pratiquant qu'on n'est plus croyant, vous voyez C'est une sorte de... C'est-à-dire qu'on garde cette passion pour cet univers qui est quand même très spécial et qui suscite beaucoup de littérature. C'est assez étrange hein, pour un tout petit nombre de gens qui pratiquent la montagne. C'est fou la littérature que ça suscite. Et c'est fou aussi le nombre de gens qui dépassent ce cercle des pratiquants, qui lisent ces livres. Enfin, je crois que la matrice est l'aventure. C'est-à-dire que quand on va en montagne, qu'on connaît la vraie mésaventure, c'est-à-dire pas la course ordinaire, mais quelque chose qu'on pourrait appeler l'épopée, où la vie est en jeu, où là, quelque chose existe qui fait que l'aventurier a mis le pied en enfer,
hein, et qu'il a été en quelque sorte rattrapé par les cheveux par les dieux, vous voyez, pour revenir dans le monde des bien vivants. Et ça, c'est proche d'une littérature universelle éternelle. On est très proche d'Homère et d'Ulysse. Je ne pense pas qu'on ait d'engagement très précis, mais qu'on est pour les gens qui s'engagent. On est exigeant. Effectivement, les gens qui viennent chez nous savent qu'on sera exigeant. Sans vérité, on va vite tourner au grand guignol. C'est-à-dire que si je prends la comparaison avec d'autres sports, vous passez 2,40 m en hauteur, c'est jugé, c'est vu. Hein, si le 100 mètres, c'est pareil, il y a un chrono. En revanche, la performance, le risque, l'engagement, tout ça n'est dû qu'à l'exactitude et à l'honnêteté du récit. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles le roman de montagne marche assez mal. Il faut ce degré de vérité pour qu'un livre de montagne ait du succès. Et on n'aura pas d'exemple de grand succès romanesque en montagne depuis Premier de Cordée. Il y a plus d'un demi-siècle. C'est le seul. Mais dans le monde entier, une proposition de lecture. Alors je vais réagir en marchant, achetez donc tout. Et puis, je trouve votre question aussi injuste que celle qu'on pose traditionnellement à une mère de famille. Voilà. Donc si vous... Je dis joker. Les auteurs, et je voudrais remercier particulièrement Philippe Claudet de l'Académie Goncourt qui est ici avec nous, qui nous a fait l'amitié de venir nous voir. Je voudrais remercier Sylvain Tesson, qui est là aussi, que vous verrez tout à l'heure, qui vous parlera aussi. Benoît Emmerman, qui est quelque part. Enfin voilà, nos auteurs, Gilles Modica, les auteurs Guérin aussi, qu'on aime beaucoup et qu'on est content d'avoir avec nous pour ces 20 ans. Voilà, des remerciements bien sûr à toute l'équipe des éditions Guérin, évidemment, sans lesquelles on n'aurait pas 20 ans aujourd'hui. Et puis, vous dire que voilà, 20 ans, c'est 150 livres au catalogue Guérin, 150 livres rouges. Et il me semble qu'en 20 ans, on a toujours suivi la route qui avait été tracée dès le début par Michel. On a toujours porté cette ligne éditoriale d'aventure et littérature qui est très très belle, qui est toujours la nôtre aujourd'hui. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est particulièrement fiers de porter cette ligne. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vous donne un exemple. Quand on arrive à Paris avec notre catalogue Guérin et qu'on l'ouvre devant des gens du milieu, du monde de l'édition, duquel on est un petit peu coupé ici, il faut bien le dire, parce qu'on ne les connaît pas aussi bien que si on était parisien. Et que d'être chamonnière, c'est quand même un peu atypique pour eux. Donc quand on ouvre notre catalogue, on a l'impression d'ouvrir une fenêtre sur l'air de la montagne, l'odeur de la neige, le vent frais. On
par ça aujourd'hui. Il y a à peine 5 ans, les gens adoraient nos livres, ils les trouvaient très beaux, passionnants, mais ces mêmes personnes ne le disaient pas, mais on avait bien le sentiment qu'ils pensaient que ça sentait un peu la chaussette, quoi. Enfin, c'était pas... Aujourd'hui, nos livres sentent le vrai. Et il faut dire que dans ce monde qui est un peu difficile, un peu fou, on a vraiment le sentiment que les gens retournent à un besoin essentiel, que sont les vraies valeurs de la nature. Michel a fondé, a fabriqué ses éditions Guérin, aussi comme, bon, comme lecteur, évidemment grand lecteur, comme publicitaire, parce qu'il avait le sens aussi de la communication, et surtout, je dirais, comme alpiniste. Avec les valeurs de l'alpinisme, alors donc, je vais définir comme ça, mais peut-être que d'autres, les alpinistes qui sont ici, ne seront pas forcément d'accord avec moi, mais il me semble que c'est le choc de l'homme contre la nature, c'est l'élégance, c'est-à-dire l'engagement, l'économie de moyens. Tout ça sont des valeurs de la montagne, et ce sont ces valeurs-là qui ont servi à la création de cette ligne aventure et littérature. Tout depuis 1995 était pensé, écrit sur le papier, des textes épurés, une ligne éditoriale stricte et des aventures passionnantes, même les collections, même la mise en page, tout était pensé. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que Michel, non seulement avait une espèce d'obsession. Elles sont aujourd'hui portées par l'ensemble des gens et en tout cas très appréciées. Donc voilà, il était le seul reproche qu'on pourrait lui faire, c'est d'avoir été peut-être un petit peu trop en avance. Voilà, mais aujourd'hui, on est particulièrement fiers de porter ça vers d'autres chemins pendant, j'espère, les 20 ans qui vont suivre. Le seul regret qu'on pourrait avoir, c'est qu'ils ne soient pas à côté de nous, simplement. Merci. Alors, on va demander à trois personnes qui étaient particulièrement importantes dans le début de l'histoire des éditions Guérin de vouloir nous rejoindre. C'est d'un Michel Franco, Antoine Terray et Dominique Potard. Merci Michel. Enfin, il était toujours en train de peaufiner un texte, changer les mots. Il avait toujours un mot en trop, donc il fallait que ce soit simple, soit accessible par tout le monde. Donc il faisait des phrases extrêmement courtes, tellement concises que c'était magique. Quoi. Et donc je voyais ce gars qui... Je ne le voyais pas travailler, parce qu'il faisait ça avec tellement d'amour. Quand on me disait, est-ce que c'est un professionnel? Je disais, non, c'est un amateur pur, et que des choses qu'il aime. Il aimait développer ses bouquins, il aimait la montagne. Donc moi j'avais un...
quelqu'un à côté de moi qui était extrêmement passionnant. Et donc, quelle belle histoire tous les deux. Antoine Terray, le premier livre publié par les éditions Guérin sont Les Conquérants de l'Inutile, de ton père Lionel. Comment s'est passée la rencontre entre la famille Terray et Michel Guérin ? Oh ben, c'était assez simple. Hein. Michel Franco est venu voir, il m'a dit, écoute, là il y a un mec génial, il veut rééditer Conquérant d'Inutile, il faut l'amener chez Marianne. Il faut qu'il rencontre Marianne. Donc Marianne Terray, ma mère. Et ben, je lui ai dit, ben, écoute, il n'y a pas de problème, il ne faut pas y aller pendant question pour un champion. Et puis ben, Michel, comme on l'a vu, hein, il a débarqué chez Marianne. Pour ceux qui connaissent Marianne, pas quelqu'un de très facile quand on la connaît pas. Et tout de suite, c'était pas l'heure de question pour un champion, c'était l'heure du whisky. Et ils se sont entendus, il y a eu le déclic, quoi. Et elle l'a regardé dans les yeux, comme ça, elle lui a dit, mon petit, c'est un pari audacieux. Et puis ça a démarré comme ça. Et puis pour moi, je suis devenu très proche de Michel et c'est super. En fait, je voudrais dire que pour moi, c'est pas les Conquérants de l'Inutile qui ont fait naître les éditions Guérin, mais c'est Michel Guérin qui a fait renaître Lionel Terray. Et puis comme disait Michel, on s'amusait bien, quoi. Il était hop, on partait, on allait faire du ski de fond. C'était très simple et très 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 sympa, quoi. Voilà. On a l'impression que ces premières années se vivaient dans l'insouciance, en fait, Marie-Christine. Oui, Michel n'était pas insouciant. Michel, il donnait l'apparence d'être insouciant. Il était toujours très disponible, toujours souriant. J'ai jamais vu Michel lever la voix. Il bossait, je dirais pas dans son centre, parce qu'on bossait dans le même bureau, mais il bossait tranquillement. Ça avançait, on ne voyait pas avancer, mais on voit le résultat aujourd'hui. Donc il avait construit toute cette espèce de choses qui existent, sans rien dire, sans en parler. Il reprenait ses textes, il les travaillait, et puis finalement ça a fait ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc Michel, c'était un gars assez exceptionnel, je veux dire. Donc il y a des anecdotes, le dimanche après-midi, au mois de novembre, quand il pleut à Chabounier, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on regarde les Grands Prix de Formule 1 à la télévision, donc en général on s'endormait pendant les essais, et puis on se réveillait, il y avait longtemps que la course était finie, parce que la semaine avait été chargée. Et donc voilà, c'était ça Michel Guérin, c'était traditionnel, on mangeait souvent ensemble le dimanche midi, et puis après le Grand Prix pour faire la sieste, c'était bien, et puis on recommençait la semaine, et voilà, bon, c'est une petite anecdote comme ça, parce qu'on ne peut pas parler que de bouquins ce soir. Moi j'ai juste une question, Marie-Christine, parce que finalement c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Est-ce que tu arrives à te souvenir quand, pour la première fois, Michel t'a dit « j'ai envie de créer une maison d'édition ». Oui, très bien, je m'en souviens très bien. Marie-Christine est un petit peu malade. Donc. Ouais, excusez-moi. Il en a parlé après, il a toujours rêvé d'être éditeur. Mais il savait que l'édition c'était un métier extrêmement difficile, mais il n'avait pas mesuré à quel point d'ailleurs. Mais extrêmement difficile à tout point de vue, d'abord financièrement, qui demandait un travail énorme, mais il était prêt à le faire, il adorait, c'était un grand lecteur. Et du coup, dès qu'on avait eu une petite agence de publicité à Paris pendant 10 ans, on a vendu, et là, comme on avait les enfants à ce moment-là, on s'est dit, c'est quand même bien d'élever nos enfants à Chamonix, c'est mieux qu'à Paris. Donc on est venu à Chamonix plus pour ça, et puis parce que Michel, il y avait ici beaucoup d'attaches, il connaissait énormément d'alpinistes, de gens, et puis il avait des petits masons, donc on s'est installé là. Et la maison, c'est venu naturellement. Quoi. Après, il a quand même beaucoup travaillé avant, beaucoup réfléchi, beaucoup pris de notes, beaucoup pensé les choses, et puis il a démarré tranquillement. Et voilà, oui, mais ça n'a pas été facile tout le temps, quoi. Il y a eu beaucoup de difficultés quand même, qui n'étaient jamais dues à des difficultés de publication. Et pratiquement, je crois que les 5 ou 6 premières années, tous les livres Guérin ont très très bien marché. Simplement, il y a toujours eu soit un incendie, soit une inondation, soit une faillite d'un distributeur. Il y a toujours eu une catastrophe un peu indépendante de notre volonté qui venait entacher le résultat, quoi. Et puis Michel redémarrait parce qu'il était extrêmement optimiste quand même. J'ai un ami qui m'a téléphoné il n'y a pas longtemps et qui m'a dit, mais il connaît bien le monde de l'édition, il m'a dit, il fallait être complètement fou pour se lancer dans une aventure pareille, sans connaître personne du milieu de l'édition, sans connaître le métier d'éditeur, parce qu'il l'a inventé pour lui à sa façon. Et en fait, il était un vrai éditeur.
Mais c'est vrai que c'était une folie totale. Et il faut, si on n'est pas fou, on rêve jamais ses rêves. C'est clair. Dominique Potard, on passe quelques années là, on n'est plus en 95, on est 2-3 ans plus tard. Tu peux juste nous raconter ta première rencontre avec Michel, parce qu'elle est un petit peu associée effectivement aux petits aléas de la vie quotidienne d'un éditeur. Bonsoir. Effectivement, j'avais écrit un petit livre que j'avais fait éditer à compte d'auteur, 1000 exemplaires, juste pour faire rire les gens d'Argentière, parce qu'ils étaient un petit peu concernés, et qui s'appelle Le port de la mer de glace. Et puis Michel est tombé là-dessus, il m'a dit mais ça intéresse ton bouquin. Bon, moi qui ne suis pas franchement doué pour la commercialisation, je lui ai dit bah, écoute, fais-en ce que tu en veux. Et il me dit bah, tu passes au bureau là, la semaine prochaine, c'était donc en 97. Et j'arrive dans le bureau, l'ancien bureau, donc. Et puis je rentre dans une belle salle, et puis j'entends des grands bruits au fond, là, des bruits lourds qui tombent par terre. Et je rentre dans le bureau de Michel, et Michel tenait les livres, les carnets du vertige de Louis Lachenal, il les prenait comme ça, et il les faisait tomber par terre, et la couverture explosait. Et en face de lui, il y avait trois monsieur en smoking, un peu genre syndicat des encaisseurs, qui représentaient l'éditeur. Et il est en train de leur prouver qu'ils avaient fait de la merde et qu'ils ne voulaient pas payer. Il y avait un rapport de force qui était très tendu. Moi, je suis arrivé là-dedans, j'ai dit, c'est un peu chaud quand même, cette boîte d'édition. Et ça s'est bien passé. Et donc, ça s'est bien passé. Là, on a fait le port de la mer de glace et puis ça a bien marché, ça a plu. Et depuis, combien de livres? 6, 7, je ne sais plus. Chez Guérin, j'en suis 9 et 2 en préparation. Merci. Alors, tout au long de la soirée, gens comme ça qui vont venir témoigner. Et chaque témoignage, série de témoignages, sera rythmée par des lectures, d'extraits de livres, et faites par la comédienne Françoise Slivka, que les Chamonnières connaissent bien, très belle comédienne et qui a beaucoup de talent, et on est très heureux de lire avec elle. Les Parisiens aussi. Pas les Parisiens aussi. Et alors, le premier extrait qui va être lu, je pense que Marie-Christine peut peut-être en dire deux mots, parce qu'il s'agit des carnets du vertige. Et je crois que les carnets du vertige de Louis Lachenal, les carnets originels, notamment les carnets de l'Annapurna, étaient quelque chose de très important pour Michel. Ah oui, bien sûr, c'était important, parce que Michel a découvert un très beau texte. Et puis c'est toujours extraordinaire d'ajouter, de trouver quelque chose d'inédit à propos de la plus grande expédition française, quand même, celle de l'Annapurna. Et c'est vrai que le texte est très touchant. Et Michel avait, comme Dominique d'ailleurs, vous partagez ça tous les deux, une passion pour Lachenal, le personnage de Louis Lachenal qui se moquait des honneurs, qui aimait la montagne et qui d'ailleurs n'a plus pu faire grand chose après l'Annapurna, parce que la montagne était toute sa vie. Et donc, je sais que Michel a dit dans différentes interviews que, comme éditeur, s'il fallait faire un choix, la chose dont il était le plus fier, c'était la publication du journal de l'Annapurna de Lachenal. Merci. On va écouter Françoise, et puis je vais vous demander de rejoindre la salle, après d'autres vont se succéder. Donc Françoise Slivka, Les carnets du vertige de Louis Lachenal. L'Annapurna est redevenue une princesse lointaine. En cherchant bien, on y trouverait tout juste quelques carcasses de tentes ou une caméra dans une crevasse pour rappeler que nous l'avons effleurée. Nous avons seulement pu l'enfermer dans des livres et dans nos souvenirs. Il paraît que l'Annapurna, c'est aussi une épopée, un trésor sur lequel nous vivrons. Je ne veux pas reprendre ici la petite histoire de la vie quotidienne. Herzog a écrit le livre officiel, voilà une bonne chose de faite. Ce qui reste ancré dans mes souvenirs, après 5 ans, ce qui peut garder de l'intérêt, ce sont les grandes lignes, les grands moments. Sur cela, je voudrais exposer mes idées. Pour moi, cette course était une course comme les autres. Autre que dans les Alpes, mais sans rien de plus. Je savais que mes pieds gelaient, que le sommet allait me l'écouter. Si je devais y laisser mes pieds, l'Annapurna, je m'en moquais.
Je ne devais pas mes pieds à la jeunesse française. Pour moi, je voulais donc descendre. J'ai posé à Maurice la question de savoir ce qu'il ferait dans ce cas. Il m'a dit qu'il continuerait. Je n'avais pas à juger ses raisons. L'alpinisme est une chose trop personnelle. Mais j'estimais que s'il continuait seul, il ne reviendrait pas. C'est pour lui et pour lui seul que je n'ai pas fait demi-tour. Cette marche au sommet n'était pas une affaire de prestige national. C'était une affaire de cordée. Édition Guérin, il y en a une importante. Il y a quelqu'un qui est ici dans la salle, qui s'appelle Christian de Marliable, qui était un ami de Michel, un ami de lycée, et qui était un grand spécialiste des expéditions polaires. Et un jour, Christian a amené avec lui M. Paulsen, qui était un monsieur qui avait envie de vivre des aventures, des explorations, qui avait une entreprise pharmaceutique, mais qui voulait vivre des choses un peu différentes, et qui était passionné par l'exploration. Et puis, ce monsieur continue à faire des expéditions avec Christian. Et puis un jour il a dit, mais j'aimerais bien publier des textes autour des mondes polaires. Et à ce moment-là, Christian lui a dit, ah, mais j'ai un ami à Chamonix, il a créé une petite maison d'édition, il s'appelle Michel Guérin. Et ce jour-là, Philippe Paulsen a rencontré Michel Guérin, et aujourd'hui, ben, nos destins sont liés. Je vous demande d'accueillir Monsieur Paulsen. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous ici à Chamonix. Il y a ce soir beaucoup de grands montagnards, de grands écrivains, et tous ceux qui ont accompagné les éditions Guérin depuis 20 ans. Je suis touché par l'amitié fidèle qui entoure le livre rouge. Une amitié qui a su traverser les années et s'est renouvelée à chaque parution. Lorsque j'ai rencontré Michel Guérin en 2006, j'ai été impressionné par ce qu'il avait accompli. Il était à la fois un éditeur érudit, un montagnard chevronné, un chef d'entreprise courageux. Sa disparition a fait un choc pour nous tous. La mission aura pu s'éteindre avec lui, mais Marie-Christine, son épouse, a fait preuve d'une bravoure remarquable pour continuer l'œuvre de son mari, malgré les difficultés. Aujourd'hui, les éditions Guérin forment, avec les éditions Paulsen, une seule et belle mission entièrement dédiée à la littérature d'aventure. La montagne conserve une part essentielle avec les fameux livres rouges conçus dans notre camp de base d'ici à Chamonix. Quel meilleur endroit pour faire naître le livre de montagne? C'est ici que s'exprime la passion d'alpiniste. Une passion que j'ai eu l'occasion de partager avec beaucoup de modestie lorsque j'ai gravi le Mont Blanc l'an dernier. Avec mon fils Jean-Frédéric, le guide de France Obama, Ben, je crois que vous connaissez tous, et Christian de Marliable, nous avons vécu quelques jours inoubliables qui m'ont permis de mieux percevoir les émotions des montagnards. Là-haut, sur cet arrêt de balayer par le vent, j'ai compris que les heures vécues en montagne s'inscrivent pour toujours et que les livres sont précieux parce qu'ils prolongent ce moment unique. L'aventure continue. Dans la continuité de l'œuvre entamée par Michel Guérin, avec le même esprit et la même qualité. Excellente soirée à tous et toutes. Et longue vie au livre rouge. Merci. Merci Frédéric. Et comme il l'a bien dit dans son petit discours, c'est pas un endroit totalement au hasard qu'a choisi Michel pour créer sa maison. C'est Chamonix. Chamonix qui, bien évidemment, nous accueille depuis 20 ans, qui nous accueille ce soir au Majestic. Merci Christophe,
Merci Marie-Christine. Chers amis, moi j'ai quelques mots effectivement à vous dire. Ils sont pas mal empreints d'émotion parce que je me rappelle, Marie-Christine, les années que tu évoquais avec les difficultés que vous avez eues. Je me rappelle avoir fait votre connaissance avec Michel à cette époque-là. Soirée au Planet où j'étais pas maire, donc on était assez libre dans la parole et dans les projets et de très très bons moments. Je voudrais dire à quel point je veux exprimer mes remerciements et mon respect à Marie-Christine et puis à toute l'équipe, Christophe, M. Paulsen, à l'ensemble de l'équipe des éditions pour ce que vous avez fait. Faire naître, c'est une chose. Faire vivre de cette manière-là une maison d'édition à Chamonix, c'est absolument admirable. Véritablement félicitations. J'ai beaucoup de respect pour cela parce qu'on imagine à quel point, effectivement, dans ce monde qui est difficile, on connaît quelques éditeurs par ailleurs qui sont pas chamoniards, mais je sais à quel point c'est difficile. Le faire ici, c'est remarquable. C'est remarquable aussi pour nous à Chamonix parce que vous êtes maintenant dans cet univers minéral. Il y a une belle pierre rouge, et c'est la vôtre. Elle est véritablement là. C'est un joyau. On y tient beaucoup. Vous arrivez grâce à cette pierre à faire irradier beaucoup de choses du monde de la montagne, le lien avec les alpinistes, avec les aventuriers, avec des écrivains, des auteurs fabuleux qui, à des degrés différents, sont également des aventuriers, des amoureux de la montagne. À chaque fois que vous organisez une rencontre, une soirée, on sent cet esprit. Cet esprit, c'est aussi pour cela que les éditions Guérin sont consubstantielles maintenant avec ce territoire de Chamonix. Alors, véritablement, un énorme merci. Puis alors, moi, je me réjouis aussi maintenant que vous ayez, après les vicissitudes d'un bout de la rue des Moulins, vous soyez à l'autre bout de la rue des Moulins, en ayant pignon sur rue, et que, quelque part, le lien, là aussi, avec la commune soit bien maintenu. Donc, à vous et à toutes vos équipes, d'abord, un énorme respect et bravo pour les 20 années qui viennent de s'écouler. Et bonne suite, surtout. Avec vraiment les remerciements de la communauté chamoniarde et je crois montagnarde dans son ensemble. Merci beaucoup. Merci. On va passer au livre 100 alpinistes et on va faire venir, là vous allez voir des auteurs, des grands alpinistes, ça va être un moment aussi assez exceptionnel. Mais avant cela, comme l'a dit Eric, il y a une équipe. Et cette équipe, on avait envie de vous la présenter, parce que tout le monde est là aujourd'hui. Et on va se partager le boulot, Marie-Christine, comme d'habitude, en fait, un petit peu. Alors Marie-Christine doit présenter les garçons et moi, je dois présenter les filles. On commence par les filles. Donc c'est moi qui commence. J'appelle Steph. C'est moi qui fais les filles. On a verré. Ça fait 3 jours. Voyez le mal qu'il a à travailler avec moi. Allez, on commence par Stéphanie Tizi. Stéphanie Tizi qui est là. Alors attention. Elle mérite une ovation parce que c'est Stéphanie qui est la grande maîtresse des livres, des beaux livres, des textes et images. Et c'est elle, avec Charlie Dufay, qui a fait le livre 100 alpinistes. Donc c'est quelqu'un de très discret, mais je peux vous dire qu'elle est très importante aux éditions. À toi, Joël. Moi j'appelle Criquet, que tout le monde connaît ici. Christian de Marliave. Christian de Marliave. L'innovation, le chamonien, le seul vrai chamonien. Il est à la fois un scientifique reconnu, un grand mathématicien, le logisticien de M. Paulsen, toutes les expéditions de M. Paulsen, et puis un éditeur aussi des éditions Paulsen. Alors, j'ai dit c'est le chamoniard, mais il y a une chamoniarde aussi, hein, qui, je crois qu'elle n'est pas de la Chamonix, mais elle est quand même totalement chamoniarde. J'appelle Lorraine Afanassiev, vous la connaissez tous, c'est elle qui s'occupe de l'espace, des relations publiques à Chamonix, et c'est elle qui a organisé toute cette soirée. Et Lorraine, quand on a un petit coup de mou, on va la voir, et elle est extrêmement rassurante, toujours tranquille. Quand on est un peu énervé, tendu, on va se calmer avec Lorraine. Allez, à toi. J'appelle
S'il y a le moindre problème sur un des livres Guérin que vous avez entre vos mains, c'est à Stéphane qu'il faut aller se plaindre. Mais ça n'arrive jamais avec Stéphane parce qu'il est extrêmement consciencieux et presque mais pointilleux, quoi. Parfait. Si les livres sont si beaux, c'est, je crois, beaucoup grâce à lui. Alors, un peu délicat, je vais demander à Judith Potin de nous rejoindre. Judith Potin est éditrice à tous les nouveaux livres aussi avec Paul Sen. Qui travaille sur les textes, qui fait des mises en page. En ce moment, elle travaille beaucoup sur un livre très compliqué sur lequel on a 2 ans de retard, qui s'appelle Avalanche. On prie nos lecteurs, nos patients, de nous excuser. Et puis, c'est aussi ma compagne. Moi, j'appelle aussi mon compagnon. C'est Thomas Malvet, notre directeur. Thomas, il s'occupe de toute la technique. Vous voyez, tous les 20 ans, là, les petites choses qui sont si jolies, là, en bas des photos et des films. C'est Thomas qui fait ça. Alors, j'appelle une personne qui était avec nous depuis assez peu de temps, mais qui, en réalité, travaillait déjà avec Guérin lors des 5 ans des éditions Guérin. C'est Camille Bourdon, qui s'occupe de tout l'administratif, des commandes, quand quelqu'un appelle parce que son livre n'est pas arrivé à l'heure. C'est elle qui a reçu le colis. Et moi, j'appelle alors quelqu'un qu'on adore vraiment, et c'est pas parce que c'est pas parce que c'est lui qui tient la caisse. Il s'appelle Jérémy Vrenard et il est directeur de gestion. Jérémy est à Paris. Jérémy fait partie de l'équipe de Parisienne, et c'est vrai que c'est lui qui nous aide à mieux tenir les comptes, et c'est pas une mince affaire. Je veux dire qu'il est vraiment patient. Hein. Ah, mais c'est à moi maintenant. Ah, bah. Je vais appeler quelqu'un. Alors, Eben, c'est à Paris. Ça fait bientôt 2 ans qu'elle travaille avec nous. Elle s'occupe de la collection Exploration, de tous les beaux livres avec le signé qu'on signait Paul Sen et qui maintenant ont signé le logo Exploration. C'est Isabelle Parent. C'est elle qui a fait le dernier très beau livre comme le livre sur Kessel. Moi, j'appelle un ami de Michel de longue date qui écrit remarquablement bien, qui est rewriter chez nous et qui doit être quelque part par là, qui s'appelle Jean Chenlaub. Merci. Jean nous aide à sélectionner les textes, à travailler sur les textes. Il a besoin d'un peu de travail de réécriture. C'est là où lui aussi un peu un travailleur de l'ombre des éditions Guérin, mais très très important. Et c'est lui qui a écrit le texte sur magnifique texte sur Michel Guérin dans le livre Sans alpiniste. On lira tout ce que Françoise. Que Françoise lira en fin de soirée. Le texte qui conclura la soirée. Ah, quelqu'un d'extrêmement important. Elle est avec nous depuis plusieurs années comme attachée de presse indépendante, mais elle a accepté de venir nous rejoindre pour travailler avec Marie-Christine sur la collection Démarche, la collection qu'avait lancée Jean-Christophe Ruffin, dans laquelle a été publié le dernier texte de Sylvain Tesson. C'est Fabienne Reichenbach. Elle aussi est à Paris. C'est toi. Moi, j'appelle notre directeur des ventes qui est à Paris aussi et qui est Dominique Dupuis. Alors, Dominique. Dominique fait un travail très important et il suit. Et c'est lui qui vraiment qui suit les ventes, qui nous aide à. Parce que c'est très compliqué la diffusion et heureusement qu'il est là pour souvent nous résoudre des problèmes qu'on aurait bien du mal à résoudre à distance. Avant, on avait prévu de faire monter Charlie, maintenant je voudrais quand même moi faire monter quelqu'un qui est extrêmement important et j'ai vu qu'il était arrivé, c'est notre imprimeur, c'est monsieur Bépé. Et qui est, je ne sais pas où, mais est-ce que Bépé tu peux bien nous joindre? Il est là-bas, tu peux fondre la. Ça fait des années. Bépé travaille avec les éditions Guérin depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis les débuts. C'est lui qui a fait. Mon ami de Michel. Et alors, il nous résout un nombre de questions techniques assez extraordinaires.
Et le dernier, bah, je te laisse le présenter. Alors, le dernier, j'ai nommé Charlie Buffet. Voilà, Charlie qui rejoint les éditions, journaliste, spécialiste de la montagne, écrivain. Et Charlie rejoint l'équipe. Et c'est lui qui a supervisé la réalisation du magnifique ouvrage, 100 alpinistes, ouvrage dont on va maintenant parler. Merci à toute l'équipe, une grande équipe, hein, entre Paul Seine. Merci à tous. Bon, alors on passe à la deuxième partie de la soirée. J'ai demandé à Charlie de rester avec moi. Et cette soirée va être consacrée en fait à quatre. Donc la deuxième partie de la soirée va être consacrée à quatre discussions autour de quatre thématiques avec un certain nombre d'invités. On va pouvoir réunir des écrivains, des alpinistes. De toute façon, ton siège sera plutôt sur moi. Et chacune des discussions sera rythmée par une lecture de Françoise. Et nous allons commencer par, en fait, non pas une lecture, mais deux lectures. Des lectures de textes qui sont écrits par des personnes qui vont venir nous rejoindre immédiatement après. C'est la lecture du portrait de Catherine Destivelle. Et Georges Livanos, je vais penser en train de boire. Donc Catherine Destivelle par Philippe Claudel et Georges Livanos par Dominique Potin. Lorsque je pense à Catherine Destivelle, ce n'est pas à la montagne que je songe en premier lieu, mais à ses yeux, aux yeux de Catherine. À son sourire, dans son visage d'éternelle adolescente, à son regard, tout à la fois empreint de douceur et de lumineuse intensité, qui se pose sur le monde, les paysages, les êtres, comme pour en prendre sereinement la mesure et les associer à un domaine intérieur où l'émerveillement tient lieu de boussole. On ne considère jamais assez les autres, ce que nous enseignent leurs traits, leurs gestes, leur allure, leur façon de se mouvoir, de se taire ou de parler, de nous serrer la main ou de nous embrasser. Dans les yeux de Catherine, il me semble comprendre beaucoup de choses, sa grâce et sa force, son indépendance et son plaisir d'être dans la vie, de saisir en elle ce qui nous permet de donner un sens à nos existences. C'est au milieu des années 80 que j'entends pour la première fois parler d'elle. Depuis quelque temps, l'alpinisme subit une révolution. Ses deux composantes majeures, l'escalade rocheuse et l'escalade glaciaire, jusque-là liées intimement dans l'esprit de tous les grimpeurs, se dénouent et s'autonomisent. Des sportifs deviennent de purs et exclusifs rochassiers et ne posent jamais le pied en haute montagne. Des murs artificiels sont créés ici et là. Les compétitions voient le jour et le débat qui entoure ce phénomène devient parfois très vif au sein de la communauté des grimpeurs. Entre ceux qui voient là un cirque mercantile et grotesque et les autres qui défendent le principe d'une émulation de haut niveau qu'engendre ce type de championnat international. Dans le même temps, les médias qui se sont depuis longtemps intéressés à l'alpinisme, mais en privilégiant le plus souvent ses aspects tragiques, en découvrent un autre aspect, la beauté des gestes, des figures, des enchaînements effectués par de jeunes grimpeurs dont les corps font songer à ceux de danseurs étoilés. L'esthétisation de l'escalade est née. La grâce et la perfection des corps et des figures exhibées par cet opéra vertical vont être soudainement décuplées par l'apparition sur cette scène infinie d'une très jeune femme qui semble se jouer du vide et de la pesanteur et parcourt avec sensualité en maillot de bain les parois abruptes du Verdon et d'ailleurs. Catherine Destivelle.
Georges Livanos par Dominique Potard. Le marteau et la plume. Ce titre pourrait aussi s'appliquer au légendaire couple Livanos. Le grec devant, matraquant sa bruyante quincaillerie comme une brute, selon ses propres mots. Et Sonia, derrière, légère comme une plume et silencieuse comme un chat. Ils se rencontrent au CAF de Marseille, où toutes les grimpeuses de l'époque se voient baptiser Sonia. Incontournable référence à l'incontournable héros des alpinistes calanquais, Tartarin de Tarascon. Geneviève de son vrai prénom, Sonia Livanos, que l'histoire retiendra comme la moitié de cordée de Georges, n'est pas du genre Pénélope, à attendre son grec de mari en faisant de la tapisserie. C'est elle qui, après un temps de ménage à trois, va prendre le relais, au propre comme au figuré, de Robert Gabriel. La raison de la retraite de Robert ne manque pas de saveur. Il écrit « Si je me tuais dans du facile, je n'oserais plus sortir. » Sonia encaisse parois sans fin, bivouac sous la pluie glacée, orage et bombardement associés sans broncher, remontant sa mèche sous le bonnet et affichant son plus joli sourire à son mari. Plusieurs de mes amis m'ont envié une compagne toujours prête à me suivre dans les plus surplombantes aventures. Les malheureux, s'ils savaient ce que cela représente de grimper des journées entières avec 1,50 m de faible femme, ignorant la difficulté, la fatigue, la peur, le froid, la faim, la soif, alors que lui est très sensible à ces désagréments. S'il savait ce que cela représente que de l'avoir débarqué au relais après un passage de 6, calme et souriante, décrivant les détails d'une fleurette du surplomb, tandis que lui, à ce même surplomb, n'insistons pas. Si elle était d'une autre trempe que l'épouse d'Ulysse, on imagine aussi que côté manuel, comprenez la tâche ingrate du second cordée, le dépitonnage, Sonia n'était pas non plus la Vénus de Milo. Fallait les décrocher, les porte-avions du grec. Pourtant, le soir venu, après le combat sans merci contre l'ennemi vertical, les chants guerriers d'Arès cèdent la place à celui d'Aphrodite. Il y a parfois un bout de vire assez large pour s'asseoir côte à côte, les pieds dans le vide bien sûr, et chacun, appuyé contre l'épaule de son compagnon, sent tout près une confiante douceur où l'on puise l'un sa force, l'autre son courage. Le grec a écrit beaucoup et bien. Il a noté toutes ses ascensions sur des cahiers, soigneusement entretenus et illustrés, concluant poétiquement le tout par heure 8900, python 2500, rappel 1450, calanque 650 voies, 500 premières et 1660 parcourues, voies nouvelles, calanque et montagne, 56160 mètres, 60 premières, 91 bivouacs et basta. À la fin de sa vie, Georges souffrait de la maladie de Parkinson. Un jour, Michel Guérin, son éditeur, l'appelle pour prendre de ses nouvelles et lui parle d'un autre de ses auteurs, Guy Martin Ravel, lui aussi secoué par les mêmes tourments. Réponse du grec : on m'en parle pas, cette maladie, on se l'arrache. Hospitalisé pour une fracture du fémur, Livanos succombe à une crise cardiaque le 21 mai 2004. Oh le grec, on les accroche où maintenant, les porte-avions ? Alors avant d'appeler les quatre premiers invités, quelques mots avec Charlie. Rapidement à propos du livre, donc ce livre vous l'avez...
un projet, il y a quelques années, c'était de rééditer ce livre qu'on appelle le Masno, qui est le livre des grands alpinistes célèbres, qui avait été publié en 57 ou 58, je crois. Et il n'a pas pu, à l'époque, réaliser ce projet. Et quand, en septembre 2014, nous nous sommes posé la question de ce qu'on pourrait bien faire pour fêter un peu les 20 ans des éditions Guérin, on s'est dit, ben, si on allait au bout de cette idée et si on reprenait le Masno à notre manière. Alors la toute première idée, c'était de se dire, on va prendre les auteurs Guérin, qui ont l'habitude d'écrire chez nous, et on va leur confier 5, 6, 7, 8 portraits chacun. Et puis, on en a parlé assez rapidement avec Charlie, parce que Charlie, ça fait des années qu'on travaille ensemble, on se connaît par cœur, c'est aussi un auteur reconnu, un très bon éditeur. Et on a dit d'abord, est-ce que le projet t'intéresse et comment tu verrais, toi, ce projet? Charlie a dit assez rapidement, il dit, je pense qu'il y a un truc à tenter, c'est d'essayer de construire des corps libres. C'est-à-dire de dire, pour chaque alpiniste, il y aura un auteur. Chaque fois, il y aura une histoire particulière, une relation particulière. Et on a dit, ça, c'est juste pas possible, on n'y arrivera pas. 100 auteurs pour 100 alpinistes, c'est pas possible. Et on s'est dit, bon, on est en septembre, si en janvier, on en a 30, on y va. Et en janvier, je crois qu'on en avait presque 50 déjà. Donc, je pense qu'on peut d'abord commencer par applaudir Charlie, parce qu'il a fait un travail inouï, et ensuite, il va nous en parler. Ouais, donc, cette idée... Je vais juste rectifier un petit peu, parce que je vais te rendre à César ce qu'il y a à César. Le premier à avoir dit il faut faire écrire des alpinistes sur les alpinistes, c'est toi. C'est toi qui as eu l'idée, on cherchait des gens pour écrire, et assez vite on est tombé sur cette limite qui était 100 alpinistes, c'est beaucoup, mais en même temps c'est très peu. Il y a tellement de gens dont on aurait envie de parler que ça va être difficile de, on va exclure beaucoup de monde. Donc comment amener des gens? Et bien, on s'est dit, ben, il y a des gens qu'on a envie d'avoir dans le livre, on va leur demander d'écrire, comme ça ils seront là. Et le premier coup auquel on est pensé, c'est on voulait qu'il y ait moi je tenais à ce qu'il y ait un portrait de Godefroy Perroux, qui est quelqu'un à qui je tiens beaucoup, et on s'est dit personne ne peut mieux écrire sur Godefroy Perroux que François de Milano, qui est là ce soir, qui vient maintenant. Ça a été le petit déclic, et après on s'est dit, bah, allez, essayons de continuer, et voilà. Alors, juste un petit détail rigolo, il n'a malheureusement pas pu être avec nous ce soir, il l'aurait bien aimé, c'est Julie Steck, et Julie Steck, c'est la première modification, parce que ce livre, bien évidemment, c'est un instantané. Maintenant, il va vieillir, et en vieillissant, il va nécessiter de retouches. Donc, première retouche, c'est Julie Steck qui écrit qu'il ne retentera pas de battre son record, d'améliorer son record qui avait été battu dans la façon de la guerre, et il vient de le battre il y a deux jours. Donc, voilà, première petite retouche au livre à noter pour la réédition. Oui, pour expliquer en deux mots, Julie Steck écrit le portrait de Loretan, avec qui il a fait une expérience du Malaya en 2003, et il écrit que quand on lui a demandé s'il allait essayer de reprendre son record de la guerre, il a pensé à Loretan qui avait refusé de refaire les 14 000 pour de l'argent, et que grâce à Loretan, finalement, il avait décidé de renoncer à la guerre. Et donc il va falloir corriger ça. Une prochaine impression du livre. Il n'est pas renoncé à la guerre. Alors, donc, j'ai dit qu'on allait faire des discussions autour de quatre thématiques. Et la première thématique, c'est assez logique, on l'a appelée les pionniers. Et on a réuni donc quatre personnes, vous allez voir, tout à fait remarquables. Et le premier truc qu'on va demander, qui m'a donné une urgence, c'est M. Philippe Claudel, écrivain. Et membre de la Fédération, merci M. Claudel. Philippe Claudel qui a écrit, vous l'avez entendu tout à l'heure, sur Catherine d'Estivelle. Il y a aussi, on l'a aussi entendu, Dominique Potard, qui est pas loin, il était là il y a quelques secondes, qui a écrit, comme vous l'avez entendu, sur Georges Livanos. Et il y a M. Claude Jacou, qui est là juste devant, que tous les chers connaissent bien. Claude, qui a écrit sur Armand Charlet, et vous allez comprendre dans pas longtemps pourquoi, si vous n'avez pas déjà lu son texte. Et enfin, on va demander à M. Hervé Barmas, s'il est là avec nous, je crois qu'il est là, voilà, de venir nous rejoindre. Très grand alpiniste italien qui vit au pied du Cervin, qui a accompli des exploits assez incroyables sur ses montagnes. Et qui lui a écrit sur Jean-Antoine Carrel, bien évidemment, hein,
le guide puis rival de Wimper dans la conquête du Cervin. Alors, on va commencer par vous poser. Alors, on va vous poser quelques questions. On va rester à peu près un quart d'heure ensemble. On va aller assez vite parce que sinon la soirée va s'éterniser. Et on va vous poser quelques questions avec Charlie. Mais d'abord, on a envie de vous poser à tous la même question. Qu'est-ce qui vous relie à l'alpiniste dont vous avez eu envie de parler? Monsieur Blondel. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est toujours un plaisir d'être ici, encore davantage ce soir pour ce bel anniversaire. Écoutez, je crois que c'est Charlie qui m'a proposé d'écrire sur Catherine, mais si on m'avait proposé quelque chose de plus ouvert, je crois que j'aurais choisi Catherine pour des raisons de... Non pas de connaissance personnelle, parce qu'on se connaît assez peu en fait, mais plutôt pour des questions générationnelles, que j'essaie un tout petit peu d'expliquer dans le texte dont un extrait a été lu tout à l'heure. Voilà, il y a un rapport à une génération, quand je grimpe moi-même, bien sûr à un niveau nettement inférieur, mais commence à apparaître sur la scène des jeunes gens comme Catherine, comme les deux Patrick, etc. Et bien entendu, on s'identifie à eux, comme quand on est jeune, on peut s'identifier à des rockstars, à des icônes, on a envie de les imiter, surtout on les admire énormément. Et donc, quand on fait un portrait, on parle de quelqu'un, mais évidemment on parle de soi également, et on explore le lien intime qu'on peut avoir avec une personne qu'on admire et aussi avec une pratique qui est commune. Voilà ce qui fait que ce choix, pour moi, c'était évident. Et je remercie vraiment Charlie de nous l'avoir proposé, suggéré, et de l'avoir rendu possible. Merci d'avoir accepté. Non, mais c'est un plaisir. Parce que, et en plus, évidemment, alors il y a ce modèle du Masno que tu as cité tout à l'heure, mais il y a les 100 plus belles du Gaston. Donc, ces livres où on célèbre 100 grandes courses ou alors 100 grandes figures, ça a quelque chose de symbolique et de très fort. Évidemment, on pourrait en faire 1000. Il y a toujours des personnes qui ne sont pas là et qu'on regrette. Mais en l'occurrence, je trouve on que... On s'y met tout de suite. Hein. Mais oui. En l'occurrence, je trouve que ça, voilà, ça forme un ensemble qui est cohérent, qui est fort, qui est beau. Et aussi, cette histoire de cordée, je trouvais que c'était quelque chose qui était très très intéressant de réunir. Alors, deux personnes, parfois... quelqu'un qui a disparu depuis longtemps, et puis un vivant, pour constituer comme ça, sur le fil de l'écriture, une sorte de double regard, de double cheminement que vous retrouvez tous dans ces 4,2 kg, c'est ça? C'est impressionnant. Et une petite précision, quand je vous ai appelé, vous étiez en plein tournage, vous commenciez le tournage de Une enfance. Oui. Et vous avez fait un tout petit peu attendre, mais on a eu quand même la chance d'avoir votre texte. Non, mais généralement, quand je dis oui, je ne dis pas non après, c'est-à-dire que je m'engage à faire un texte. Mais j'allais dire que quand les éditions Guérin me demandent quelque chose, c'est toujours plus de l'ordre du cadeau qu'on me fait que de l'inverse. Et ça avait déjà été le cas il y a quelques années, à l'occasion de cette magnifique réédition de Premier de Cordée, quand Marie-Christine m'avait demandé de faire la préface. Je crois que je lui avais dit, je crois que je l'ai peut-être même mis dans le texte, que c'était le monde à l'envers. Hein. Si moi, un jour, j'avais pu penser qu'on me demanderait de préfacer Premier de Cordée, qui a été pour moi un livre mythique. Et Michel, tout à l'heure, on parlait très très bien. C'est vrai que c'est le seul best-seller de montagne, hein, en roman de montagne, à ce niveau-là, et d'un niveau mondial. Donc voilà, c'est toujours des cadeaux importants. Et puis en voyant Michel tout à l'heure, et en étant à côté de Dominique, ça me faisait penser à la première rencontre avec Michel et avec Dominique, justement, dans un café de Chambéry, à l'occasion de la publication du Port de la Mer de Glace, pour toi. Et puis moi, un petit livre que j'avais écrit sur un bistrot qui s'appelle Café de l'Excelsior. Donc on avait parlé de livres, on avait parlé de montagnes, on avait bu des canons, et c'est un peu comme ça que je conçois la littérature et l'amitié. Merci. Dominique, alors, pourquoi le grec? Là aussi, c'est une idée de Charlie qui m'a proposé. Moi, j'ai sauté dessus, bien sûr. Déjà, on a des souches communes, parce qu'il était de Marseille. Moi, j'ai grandi à Carpentras, donc on ambiance du thym, de la lavande et du beau calcaire. Et surtout, oui, c'est plus que ses premières, c'est son livre qui m'a marqué, au-delà de la verticale, parce que c'est sorti après-guerre, venait de sortir un attentat premier 8000, qui est un livre tragique, avec des amputations, enfin, c'est là, vraiment l'alpinisme héroïque, c'est le sommet de l'alpinisme héroïque. Et avec au-delà de la verticale, on passe de la tragédie grecque à la comédie burlesque. C'est-à-dire qu'il fait des grands exploits, tout ça, mais c'est toujours sous le couvert du rire, il ne se prend jamais au sérieux. Et pour en avoir parlé avec mes fils, qui sont guides aussi, je leur ai dit, qu'est-ce qui vous marque chez Ivanos? Ils m'ont dit,
lui nous a fait rire. C'était la première fois qu'on se mariait en lisant un bouquin de Montaigne. Et la deuxième fois, c'était avec les tiens. Il y en a eu d'autres, il y a eu Sam Hiver aussi, il y en a eu d'autres. Merci. Claude, alors Claude, bon, pour ceux qui ont lu ou vont lire ton texte, on comprend très vite le lien qui t'unit à Charlet, à Armand Charlet. Mais avant, je voudrais faire un tout petit aparté, si vous me le permettez. Je voudrais remercier Philippe Claudel pour son joli texte sur la grâce de Catherine. Et aussi, me féliciter parce que ça a été très important de faire partie de l'Académie Goncourt, qui a curieusement décerné un prix Goncourt, à Boussole de Mathias Sénard. Et pour nous, ça a été... J'étais au Népal à ce moment-là avec mon épouse, nous sommes fanatiques de ce livre, et on nous a envoyé un petit texto disant que vous aviez décerné le prix et boussole. Merci. Bon, excusez-moi de cet aparté. Pour Armand Charlet, c'est très simple. Bon, d'accord, nous faisons rire qu'il y annonce. Il n'y a pas de doute. Mais enfin, il y a eu deux choses. Il y a eu le fait que pour moi, quand j'ai commencé la montagne, Armand Charlet, c'était une icône. Une icône, le grand guide, le grand alpiniste qui avait pris le 100 fois la verte, qui avait ouvert de nombreuses premières, qui avec une énergie et une conception de la montagne absolument rigoureuse. Et pour moi, c'était quelqu'un, c'était un personnage. Bon, à l'époque, je commençais à fréquenter des amis qui étaient les grands alpinistes de l'époque, Terray, Robuffat, Lenoir, Parago, Berardini, mais c'était un peu au-dessus de moi, au point de vue génération, mais au-dessus, il y avait Armand Charlet. Et ensuite, au début, c'était la malchance de faire mon stage d'espion guide sous l'égide d'Armand Charlet, me regardait un œil sévère, ce quasi parisien, toujours avec les cheveux longs, dépanaillés, etc., et qui m'appelait pendant 5 semaines de stage. Pieds nus ? Oui, pieds nus, je marchais pieds nus dans Chamonix. Mais c'était ma mode à l'époque. Et il m'appelait pendant 5 semaines stagiaire Jacou, avec beaucoup de méfiance. J'ai commencé à avoir un tout petit peu d'indulgence quand. À l'examen théorique, il m'a posé des questions plus perfides les unes que les autres sur l'histoire de l'alpinisme. Et par chance, j'ai réussi à répondre à toutes. Alors déjà, je suis monté. Et puis dans le stage de guide, on s'était fréquenté, etc. Et puis, ça a été très bien. Et à la sortie, il m'a dit, Claude, il faut que tu rentres à la compagnie des guides de Chamonix. Alors là, évidemment. Et il m'a fait rentrer. Donc, qui était vraiment un étranger. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour cet être qui correspond toujours à moi à une sorte d'éthique, d'image de la montagne qui est l'idéal pour moi de l'esprit de montagne. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Hervé Barmas, pour vous, l'association semble assez évidente parce que. C'est vrai que Jean-Antoine Carrel, c'est la figure du pionnier de l'alpinisme pour ce versant du Cervin. Oui, pas seulement sur le Mont Cervin, peut-être c'est vraiment la figure de guide de montagne pour l'Italie. Parce que le guide de montagne qui a vraiment la passion pour la montagne, pour ses montagnes, pour le Mont Cervin. Parce que tout le monde connaît l'histoire du Mont Cervin avec Wimper et Michel Croz. Moi, je dis toujours Michel Croz et Wimper, ils sont arrivés avec les autres au sommet du Mont Cervin. Oui, parce qu'il ne faut toujours pas oublier qu'il y avait toujours les guides avec les clients. Aussi avec Wimper, aussi Wimper, il y avait Michel Croz devant et après les autres. Mais quand même, l'histoire, ça part de 1857. Et c'était Jean-Antoine Carrel avec des copains qui a fait son premier essai. Et c'était pas pour d'argent, c'était pas pour un client, c'était pour lui-même. Donc c'est le guide haute montagne qui a la passion pour sa montagne, le Mont Cervin. Et après il y a toute l'histoire des tentatives, toutes les fois qu'il va dire ben non, c'est trop difficile, il y a trop de dangers, il faut essayer une autre fois. C'est vraiment
le guide haute montagne qu'il va faire, le guide haute montagne sur sa montagne. Mais après, c'est aussi comme il va mourir. Il a un client, c'est Sinigaglia, c'est le 1890. Et pour le sauver d'une grande tempête, d'une semaine de tempête, lui, c'est à la cabane sur le mont Cervin. Il va sauver la vie à son client. Il va mourir de fatigue au pied du mont Cervin. Mais il ne va pas mourir le client. Et ça, c'est vraiment le guide haute montagne. Et cette année, c'était le 150e anniversaire de la première ascension du mont Cervin. Et il y avait la fête de côté suisse, mais il y avait aussi la fête de côté italienne. Et pour moi, que je suis guide haute montagne, alpiniste, j'ai fait beaucoup de choses sur le mont Cervin, écrire de Jean-Antoine Carrel, ça a été une occasion. Et si j'ai compris bien, il y a 150 livres, non, de Guérin. Et ça, c'est une autre chose que j'ai découvert maintenant, mais bon, je suis très heureux. Donc, merci Guérin, merci Charlie, merci tout le monde. Incroyable alpiniste engagé dans le 4 Carrel, c'est un alpiniste très à la pointe, il a fait ce qu'il y avait de plus dur à l'époque. Et donc tu m'as fait comprendre à quel point on faisait un lien entre les alpinistes inventifs, créatifs, dont tu fais partie aujourd'hui, et ce qu'ont été les grands pionniers. Donc, merci. Merci à toi. Moi j'ai une question justement pour Philippe Claudel. Quand Philippe, vous avez découvert la montagne, est-ce que vous aviez une figure comme ça de référence, un pionnier qui vous a inspiré, au-delà de la littérature de Frison Rouge? Je vais être un peu en décalage, mais je vais vite expliquer pourquoi. Oui, il y a des grimpeurs, évidemment, mais celui qui m'a le plus impressionné, c'était Rousseau. C'est-à-dire que pour que la montagne existe, il faut l'inventer, quand même. Pour qu'on passe de la notion de pays à la notion de paysage, et qu'on ait ensuite envie d'aller dans le paysage, et de grimper, en l'occurrence, sur la montagne qui est devenue paysage, il faut que quelqu'un l'invente. Il faut que quelqu'un pose un regard artistique dessus, que ça ne devienne plus quelque chose d'utilitaire, c'est-à-dire qu'on n'exploite plus la montagne pour ses cristaux, ses chamois, et que soudain, on porte un regard esthétique sur elle. Alors je cite Rousseau parce que c'est plus connu, hein, mais on peut citer aussi les pré-rousseauistes et les post-rousseauistes, tout un ensemble d'écrivains, d'artistes, de peintres, de poètes, qui ont inventé le paysage de montagne. Et à partir du moment où le paysage de montagne a été inventé, on s'est mis à le regarder différemment et on a eu envie d'en faire autre chose, et notamment le parcourir, l'explorer, non pas pour des raisons économiques, de survie, mais pour des raisons qui sont complètement abstraites, complètement décalées, complètement inutiles, pour reprendre effectivement un des plus beaux titres de la littérature de montagne et de la littérature, les conquérants de l'humanité, et soudain l'alpinisme pouvait naître. Donc moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est presque ces proto-alpinistes. Alors après, il y a eu des noms, évidemment, on a cité Wimper, moi je pourrais citer Momery, et puis les femmes en montagne. J'ai toujours été fasciné par les femmes en montagne, c'est pour ça que la proposition d'écrire sur Catherine me plaisait beaucoup, parce qu'il y a ces grandes dames, et notamment des dames anglaises et françaises, hein, qui ont écrit aussi l'histoire de l'alpinisme, et ça m'a toujours énormément fasciné. Il y a un très joli, d'ailleurs, le portrait d'Henriette d'Angeville est signé Marie-Christine Guérin. C'est un très joli texte dans le livre, je vous invite à découvrir. Dominique, toi, on a l'impression que tu as un petit peu peut-être la tentation de déboulonner les statues justement des commandeurs, des pionniers, ou de peut-être aussi de prendre un peu de distance par rapport à cette vision un peu idéalisée des premiers alpinistes. Déboulonner, non. Moi, ce qui m'a fait amener à la montagne, c'est que j'ai lu les carnets du vertige de Louis Lachenal à 12 ans. J'ai fermé le livre, j'ai dit je vais faire guide et moniteur de ski, comme Louis Lachenal, et puis j'ai pas débordu. Donc, le livre a été vraiment fondateur de ma vie à l'âge de 12 ans. Et donc, il y a des alpinistes pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Il y en a d'autres, ça passe, c'est plus dit, ils se mettent trop en avant, je ne donnerai pas de nom, ou des textes qui sont, à mon avis, qui vont trop loin, comme Guido Lameur,
courage dans cette dimension. L'alpinisme, c'est monter sur des montagnes, c'est prendre des pierres sur la gueule, des sérax. C'est quand même quelque chose de très, très réaliste, en fait. Et c'est vrai que quand des gens arrivent à en parler d'une manière détendue, avec du recul, je participe plus volontiers à ces lectures-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que, peut-être pas des boulonnages, mais peut-être un peu une désacralisation de certains de ces grands alpinistes, qu'on retrouve aujourd'hui, même dans l'humour de jeunes grimpeurs, comme les frères Favrès, quand ils vont faire des ascensions très techniques, on voit que c'est une bande de copains qui se marrent, et qu'il n'y a pas ce côté un peu trop sérieux qu'on va avoir pour les alpinistes. C'est ce qu'avait dit Michel Garin, de manière très poétique, en parlant du port de la mer de glace, il m'avait dit « c'est une trace de vomi dans la neige immaculée ». Une belle définition. Claude, de votre côté, vous n'êtes pas un gamin de la montagne, et vous arrivez à Chamonix, où il y a deux micros, hein, vous pouvez. Et quand vous arrivez à Chamonix, c'est qui votre guide spirituel? Oh, j'en avais pas. Quand je suis arrivé à Chamonix, j'ai commencé l'escalade avec des copains parisiens, bien qu'étant originaire de Servoz, dans la vallée, j'ai vécu à Paris, donc j'ai commencé la montagne avec mes copains de Fontainebleau, donc on connaissait personne. Et c'est après seulement quand on s'est intéressé un peu plus à la montagne que j'ai beaucoup lu sur les livres de montagne. Je détestais un écrivain comme Guido Lamer, par exemple. Et je n'aimais pas beaucoup Armand Charlet, Vocation Alpine. J'avais déjà des choses. Et puis après, bon, comme j'avais commencé à faire des ascensions qui m'ont rendu un petit peu connu, j'ai fréquenté très vite justement surtout Thérèse, mais aussi Robuffin et Maurice Lenoir, et qui étaient vraiment des grands amis, donc des guides, un type comme Thérèse, bon, était quand même, j'ai eu la chance d'habiter chez lui un certain temps, et c'était un personnage extrêmement intéressant, extrêmement attachant. Voilà, c'était mes maîtres, disons. Et je me souviens toujours que quand je m'étais présenté au stage d'aspirant guide, c'était pas les listes de courses à l'époque, c'était le choix. Et il y avait 30 places et j'avais été refusé en 57. Puis en 58, alors que je commençais à être un alpiniste un peu commode, j'étais refusé de nouveau. Sur quoi Thérèse est allé dans le bureau de Michel Franco, qui était le directeur de Jean Franco. Jean Franco à l'époque, et il a fait une scène épouvantable, ce qui fait que Jean Franco a créé une place de plus pour moi. J'ai eu la chance d'avoir des amis comme ça. Merci Claude. Dernière question pour Hervé, et puis après on passera à quatre autres invités. Vous êtes italien, et dans les pionniers, bien évidemment, on considère souvent que les deux plus grands alpinistes de l'histoire, ou même peut-être les trois, enfin tous les cas les deux, c'est Cassin et Bonatti, ces deux Italiens. Est-ce que, d'abord, j'imagine que ça doit vous faire plutôt plaisir en tant qu'Italien, mais est-ce que en Italie, il y a aussi des grandes figures françaises qui ont marqué l'alpinisme italien de la même façon? Eh oui, bien sûr. Bon, moi, je pense toujours à Gaston Rebuffat, Lionel Terret, et ça reste après avec des autres comme Patrick Perrault qui vraiment dans les cœurs des Italiens, dans les cœurs des personnes qui font de l'alpinisme, sont vraiment entrés, ils ont touché quelque chose comme des petites cordes. Et donc c'est toujours une émotion quand on va lire un livre de ces personnes, des articles, on voit un film. Ce sont trois personnages qui vraiment ils ont... Bon, on les sent comme peut-être comme Bonatti, comme Cassin, comme Reinhold, mais plutôt comme Bonatti et Cassin, mais plutôt comme Bonatti, parce qu'il y a quelque chose en plus. Il y a un esprit, une détermination, une motivation, une passion, des émotions qu'ils ont démontré à tout le monde. Trois des grandes français. Ok, merci. Merci tous les quatre. Merci Cassin. Les gens vont arriver, c'est que aujourd'hui le Mont Blanc est tout petit. Je trouve qu'on est très ouvert sur l'Italie. Il y a trois pages dans la Repubblica ce week-end sur le livre. Il y a eu une espèce de curiosité pour ce qui se passait de l'autre côté du Mont Blanc.
chez les Français. Et donc la Républicain a fait un bel accueil à ce livre qui n'est publié pour l'instant qu'en français et qui a bondi le quotidien blanc. Alors la prochaine discussion va tourner autour d'un sujet qui est finalement assez complémentaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'alpinisme s'est développé, est arrivé l'escalade, est arrivé en fait plutôt que la culture du sommet, est arrivé la culture du geste. Et autour de cette culture du geste, donc on peut associer au départ à l'escalade et puis à d'autres également, nous allons avoir quatre invités. Mais avant de recevoir les invités, nous allons demander à Françoise de nous rejoindre pour lire l'extrait du texte consacré à Patrick Hedlinger et signé par Sylvain Tesson. C'est l'histoire d'une comète. Elle a passé dans le ciel de notre enfance, éclairé notre jeunesse. Sa trajectoire fut brève, scintillante. Son sillage, déjà éteint, continue de briller. Patrick Hedlinger n'avait pas un sens démesuré de la conservation de lui-même. Il le prouva en pratiquant le solo intégral sur les falaises, inventant une manière de lévitation extrême, un art mêlé de la danse, de l'escalade et du zen. Il l'a montré aussi sur Terre, dans la vie quotidienne, brûlant l'existence par les deux bouts de la corde, tout en luttant pour ne pas devenir le personnage que la société réclamait. Finalement, il mourut comme il avait vécu, par surprise, tombant dans l'escalier. Et cette fin absurde, le 16 novembre 2012, vint nous rappeler cet axiome. Les artistes ne savent pas comment s'y prendre pour finir. Il y a des peintres qui se coupent l'oreille, des philosophes qui se jettent au cou d'un cheval. Hedlinger fut cette sorte de funambule incomparable qui mourut d'avoir marché sur son lacet. L'histoire commença sur les calcaires du sud de la France, Simail, Verdon, Calanque. Patrick s'initia à l'escalade, se perfectionna avec fulgurance, puis en 1977 rencontra Patrick Béraud, son double, son frère, son ombre peut-être. Ensemble, ils allaient faire de la grimpe un mode de vie, une passion de beatnik, dormant à la belle étoile et galopant dans les voies les plus difficiles. Puis l'un des deux Patrick, le blond, allait accéder à la gloire. Comme des dizaines de milliers de Français nés dans les années 70, je possède dans les archives mentales de mon enfance les images du film de Jean-Paul Janssen. L'élégance effrayante de la vie au bout des doigts en 1982 et les arabesques d'opéra vertical enthousiasmèrent la France, créèrent une onde de choc internationale. 30 ans plus tard, elles disent encore quelque chose de ces années 1980 dont personne n'est vraiment nostalgique. Soudain, le monde découvrait un jeune dieu grec logé dans un bel animal humain, se jouant de la pesanteur avec des grâces de derviche. Hedlinger faisait voler en éclats les codes, ceux de l'alpinisme et ceux de la société. Ceux de l'alpinisme d'abord, parce qu'à la même époque, on entendait encore Herzog, dont les vertus se comptaient sur les doigts de ses propres mains, raconter son Annapurna comme un vieux colonel d'infanterie. Ceux de la société, ensuite. Parce qu'en ce début de l'ère mitterrandienne, où les vieux crocodiles politiques se drapaient dans la vertu morale pour préparer leur trahison, Hedlinger envoyait valdinguer les codes, faisait l'éloge de la simplicité et se rebellait contre la gravité, cette loi mortelle. Les Français comprirent qu'il tenait là un danseur de fil, un Zarathoustra. Ils le plébiscitèrent. Je suis venue à grimper parce que j'ai croisé un jour ces images et qu'elles m'ont obsédée. Nous sommes des milliers à avoir ainsi été hypnotisés. Les uns, j'en suis, en sont restés à une pratique paisible et modeste de la montagne. Les autres se sont révélés de bons grimpeurs, des champions parfois. Ils ont repris le flambeau de l'engagement. Dans les deux cas, en héritier, nous lui sommes redevables. Nous avons rêvé devant ces images. Ils sont bien peu nombreux,
les hommes à pouvoir se targuer d'avoir influencé une génération, inspiré un rapport au monde et aidé des milliers de jeunes personnes à devenir ce qu'elles sont. Voilà pourquoi il serait déplorable de réduire Edlinger à un être fragile, traversé de tourments, perclus de contradictions, écrasé par le succès, victime de son vide intérieur. Il avait ses faiblesses, et qui ne les a pas. Il a grimpé comme un dieu, il a chu comme Icare. Il est fort ordinaire que les dieux trébuchent. Merci. On devient ce que l'on est parce que nous sommes l'addition de ce que d'autres ont été, et du coup on se constitue parce que tout à coup on fait des rencontres. Or, le moment où tout d'un coup Edlinger a finalement cassé cette espèce de gravité et d'esprit sérieux de l'alpinisme, et de gravité au deux sens du terme d'ailleurs, la gravité en tant qu'accumulation de forces physiques qui finissent par faire que vous cassez les figures, et puis de gravité au sens de cet esprit de compromis, de satisfaction de soi-même, il a cassé tout ça en montrant une sorte de grâce, de légèreté de danseur, et ça a fasciné tout le monde. Au point qu'il est devenu, pendant un moment dans les années 80, la personnalité la plus appréciée des Français. Extrêmement modeste, mais de vivre les plus belles heures de ma vie qui sont des heures de la vie. Merci Sylvain. Antoine Le Ménestrel, alors pour vous c'est Patrick Cordier. Pourquoi Patrick Cordier? C'est un personnage qu'on connaît bien à Chamonix, mais c'est vrai qu'on a sa relation finalement avec ce milieu d'escalade des années 80 qui a fait vraiment basculer l'activité également et était moins évident. Peut-être. Bonsoir, merci de m'avoir invité. D'un alpiniste qui s'est rapproché, avec lequel je me suis rapproché, parce que moi il y avait trois Patrick, et Patrick Edlinger, Patrick Béraud et Patrick Cordier. Patrick Cordier était une personne pas du tout médiatique comme les deux autres, mais vous m'avez demandé de venir parler du geste, justement c'est une des premières personnes qui parlait de l'escalade comme un art martial occidental.
Et moi qui étais un sportif de haut niveau, qui cherchait à résoudre les difficultés de l'énigme minérale avec une gestuelle la plus juste possible. En fait, d'être grimpeur de haut niveau a développé ma créativité, en fait, en cherchant des gestes les plus faciles à réaliser. Et j'étais vraiment dans cette dynamique-là, et de voir le mouvement non pas comme un challenge et comme une conquête, mais comme quelque chose qui fait sens. Il y a déjà avant de réaliser le mouvement, il y a un sens au geste, et donc de lui donner comme dans les arts martiaux, de lui donner une partie artistique, en tout cas l'art de pratiquer le geste. Et donc il m'a aidé à me libérer de l'esprit compétitif. Très important ce mot libérer. Voilà, bah justement, je viens de l'escalade libre, on en parle, je fais partie des personnes qui ont créé ce mouvement, en tout cas qui l'ont accompagné. Donc c'est une énergie créative, rien que même le geste, le mouvement de l'escalade, où le sommet devient plus le but, mais le chemin devient plus important que le geste. C'est une partie importante où justement le sommet devient plus la chose la plus importante. On n'est plus dans la conquête, hein, le sommet, c'est le parcours qui devient le voyage, qui devient le plus juste. Donc il m'a aidé à me libérer de cet esprit compétitif qui est un esprit qui avec ses règles empêche l'escalade d'évoluer. Donc moi ça m'a permis de sortir de cette dynamique et de devenir un artiste. Merci Antoine. Alors Paul, on est sur un autre versant, celui de l'outil, parce que ce geste, eh ben, pour évoluer, ça a été la révolution de l'activité, a été accompagnée d'une révolution du matériel. Et au cœur de cette révolution, il y a bien évidemment les outils pèses. Tu as choisi de parler d'un personnage qui a fait et suivi aussi la même évolution avant aux États-Unis, et qui est Yvon Chouinard. Et quel est le lien justement qui vous relie? Alors. Oui, j'ai toujours été impressionné par les hommes qui changent les paradigmes. Et Yvon Chouinard faisait partie de ces référents pour moi. Et tu as parlé qu'on a commencé cette entreprise il y a 40 ans, mais effectivement, il y a 40 ans, il est venu me parler. J'avais 20 ans. Et vous imaginez, à 20 ans, se trouver en face d'Yvon Chouinard, avec ce que je connaissais de lui, le Yosemite, le Can 4, et l'artisan qui avait démarré son entreprise, comme nous l'avons démarré également. Et cette rencontre a été importante pour moi, j'ai eu quelques référents, Yvon en est un, et il est aussi pour beaucoup d'entrepreneurs, certains entrepreneurs qui ont dans leur parcours, essayent, souhaitent, veulent donner du sens à ce qu'ils font. Et je crois qu'Yvon est véritablement cet homme qui a changé un certain nombre de règles. Il a été étudié dans les universités et il a monté une très très belle entreprise. Et pour moi, ça a été un véritable modèle. Merci Paul. Pierre-Antoine, on parle du geste et de la trace aussi, puisque c'est associé, et celle de Patrick Valençon t'a particulièrement marqué. Alors, moi j'ai parlé de Patrick Valençon parce qu'il a été très important dans ma vie, personnellement. Donc ça, c'était déjà tout de suite quand Charlie m'a proposé. Tout de suite, c'était une façon de lui rendre hommage, parce que il a fait prendre un virage dans ma vie. Et en plus de ça, en tant que skieur pour son époque et tout ça, il a vraiment été un pionnier, quelqu'un qui a ouvert une voie. Et pour revenir à
C'est quelqu'un qui m'a ouvert des portes, parce que j'avais une éducation montagnarde, où, avec la prudence, quand on allait en montagne, on préparait et tout ça. Et lui, il était plutôt justement dans la beauté du geste et l'improvisation. On part et une fois qu'on y est, on s'adapte, on improvise. Et donc, tout d'un coup, je voyais une nouvelle approche beaucoup plus légère de la montagne. Et j'ai eu la chance qu'il me propose de faire ma première expédition avec lui. C'était en Alaska, c'était à ski. Et ça avait été une expédition très dure physiquement. Et donc la partie beauté du geste était plutôt alourdie par la difficulté, mais il gardait toujours cette spontanéité et cette rapidité de décision qui est propre au skieur qui doit, dans sa descente, choisir sa route et son geste et sa trace. Voilà. Et donc, ça a compté pour ma trace à moi. Je voulais... On vous a réunis sur cette idée du geste parce que je trouve que ça dit beaucoup de choses sur ce qu'on a essayé de faire en rassemblant ces portraits. On a Sylvain parle de Patrick Hidlinger, qui est beaucoup plus connu comme grimpeur, même s'il a fait un peu de course avec Véro notamment. Il est beaucoup plus connu comme grimpeur. Patrick Cordier est fascinant dans sa recherche sur la signature de grimpeur, dans sa recherche un peu artistique. Évidemment, Yvon Chouinard est aujourd'hui beaucoup plus connu comme un grand entrepreneur que comme un alpiniste. Et Patrick Valençon est un skieur extrême extraordinaire. Et qu'est-ce qui, alors pour vous, j'avais envie de vous demander, qu'est-ce qu'il y a, l'expression beauté du geste revient souvent. Est-ce que pour vous, ça fait partie de ce qui définit l'alpinisme ou de ce qui ramène vers l'alpinisme des gens qui sont dans des domaines qu'on pourrait considérer comme un petit peu limitrophes? Alors, peut-être c'est ça. Il y a un deuxième micro, on va le signer. Oui, la question de la beauté du geste. La fascination qu'on peut éprouver pour les grands artistes du geste, la fascination gymnique qu'on peut éprouver, c'est quand on voit d'abord la définition de la grâce, en fait, qui est de faire quelque chose de très difficile, un immense effort avec une impression de facilité et légèreté. C'est ce qu'on a d'abord vu dans les salles des ballets, au temps où seule la danse existait, et qui manifestait cette beauté du geste et cette grâce, c'est-à-dire cet effort avec les illusions de facilité. Et puis tout d'un coup, d'une manière moderne, il y a une escalade qui a transposé ces principes de la danse, mais sur les parois. Alors il me semble que le récital, la beauté du geste, il y a aussi un principe de sobriété, d'économie, l'économie du geste pour arriver au sommet. Ça dit beaucoup de choses, ça dit quelque chose d'une forme de réaction aussi contre un impératif toujours de rentabilité que nous vivons dans nos sociétés qui sont complètement écrasées par cette réduction de toute chose à l'économie, au rentable, à l'efficace et à l'utile. Alors tout à coup, cette beauté du geste gratuit, sobre, déshabillé, dépouillé, qui pourtant amène l'homme à monter. Il est probable que la beauté du geste soit empreinte de cette sobriété. Et puis moi, je voudrais ajouter une dernière chose, c'est que dans cette beauté du geste, il y a la beauté d'un archaïsme aussi. Parce que c'est finalement très archaïque de grimper. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu des milliers d'années d'efforts de l'évolution darwinienne pour qu'on soit des bipèdes. Et puis voilà tout d'un coup que des grimpeurs décident de revenir en arrière pour revenir à leur fonction d'animal grimpeur. Voilà. Alors c'est quelque chose qui est une évolution inversée qui me plaît. Je pense que la beauté du geste dont tu parles réunit l'ensemble de ces principes. De cette beauté du geste, Antoine. De cette beauté du geste, Antoine, tu as fait un.
Mais cette beauté du geste, Antoine, t'en as fait un art, c'est ton métier, tu es artiste grimpeur. Donc j'ai parlé là quand je faisais des voix difficiles, là il y a une voix difficile qui m'a marqué, qui s'appelle la Rose et le Vampire, qui est à Bioux, à l'époque de l'escalade libre, on se met à ouvrir des voies pour le libre, hein, parce que l'escalade libre, c'est libérer les voies d'artificiels. À un moment donné, il n'y a plus de voies d'artificiels, donc on vient ouvrir des voies pour le libre, pour le libre. Donc on invente une nouvelle façon, où on part du haut, pour ouvrir des voies, et à un moment donné, il y a une voie qui m'impose un mouvement. Moi, je suis complètement dans la difficulté, je suis complètement face à la paroi, et je fais un croisé, et je découvre en face de moi des spectateurs. Voilà, je suis pionné sur la façade, mais derrière moi, je découvre le monde des humains, quelque part. Et donc, tout d'un coup, le geste me met en relation avec les spectateurs. C'est que mon sommet, c'est le partage qui devient mon sommet. Et la deuxième, ça c'est un geste qui marque ma vie d'artiste, et ce mouvement-là, je le retrouve comme base chorégraphique de la plupart de mes spectacles maintenant. Il me suit. C'est un geste qui t'avait permis de résoudre finalement un problème technique qui s'est transformé en une expression artistique. Tout à fait. C'était un geste parce que quand on fait des voix difficiles, on cherche l'efficacité, par contre. Mais quelque part, l'efficacité, une certaine justesse dans l'efficacité, en tout cas, moi, je préfère parler de justesse, ben, c'est ce qui donne une beauté au mouvement. Il y en a eu un deuxième très important de geste, c'est quand j'étais ouvreur de voie pour les compétitions d'escalade. Donc je traçais les parcours pour les compétiteurs, ils étaient tous partis faire la compétition, et puis moi, à ce moment-là, j'étais contre la compétition, je me suis dit, bon, bah, autant aller faire des voix, des belles voix pour mes copains. Donc je suis allé ouvrir des mouvements pour eux, et en fait, je me suis retrouvé chorégraphe, où c'était les compétiteurs qui venaient révéler ma chorégraphie, ma dramaturgie. En fait, dans une voie d'escalade, il y a une dramaturgie. Qui est appuyé quand on est ouvreur sur mur artificiel, on devient créateur. Et lors d'une démonstration, je me suis retourné et j'ai fait ce petit geste et toute la salle a réagi. Je me suis dit, ah, mais il y a une relation émotionnelle qui peut se passer entre un geste et le spectacle. Il y a une cordée émotionnelle qui se fait qui est grisante, qui te porte, comme il y a un assureur qui peut te porter avec son attention pour grimper, le spectateur, par son attention, par votre concentration, vous portez les autres. Ça, c'est tous ces gestes-là, après, qui viennent nourrir, et après j'ai appris dans le geste, si je mets toute ma concentration pour réaliser un geste difficile, voilà, mon corps entier, mon être entier est là pour réaliser ce mouvement difficile. Mais si je fais un mouvement un petit peu moins difficile, je laisse de l'espace disponible à autre chose. Je peux laisser de l'espace disponible à de la poésie. Je peux laisser de l'espace disponible à un autre état d'être que simplement celui de réussir le mouvement. Et c'est là pour moi où on accède à l'art, où on n'est plus dans le sport, mais c'est qu'on laisse de l'espace disponible à la poésie. Merci. Oui, c'est vraiment là que l'on est originaire par rapport à ce qu'on a souvent tendance à exprimer par rapport à la pratique d'une activité sportive. Mais alors cette sobriété, cette recherche justement un peu du dénuement, on la retrouve aussi dans la fabrication d'un outil, c'est-à-dire que ce qui caractérise aussi l'histoire de la société PET, c'est la volonté de fabriquer des outils les plus simples possibles et les plus efficaces. Donc. Je crois que l'outil, c'est... je suis fils d'un artisan, et tout était dans le geste, et dans la beauté du geste. Et je crois, par rapport à la beauté du geste, je crois que c'est surtout celui qui ouvre pour la première fois, qui découvre un nouveau geste, et qui emmène du monde derrière. Et nous, en tant que
concepteur matériel, on est très attaché à la notion du geste, et d'ailleurs c'est à travers la relation geste de la personne, de l'homme et de l'outil qu'on va fabriquer, ça leur permet, ça nous permet d'avancer et d'évoluer. Et d'ailleurs, le monde, les hommes ont avancé comme ça, en inventant des nouveaux outils qui inventent des nouveaux usages, qui ouvrent de nouveaux chemins. Et je crois véritablement, pour moi, la beauté du geste, c'est ça, c'est ouvrir de nouveaux chemins. Merci, ben merci beaucoup. Malheureusement, un dernier mot de conclusion pour Antoine sur ce... Mais moi, je voudrais dire que je suis vraiment très honoré d'avoir pu participer à ce livre. Et je le vois comme un geste de l'alpinisme. Parce que on est dans une société où on va développer le sommet comme le seul but. Et le sommet est une voie sans issue. Et les alpinistes, en fait, ils sont attirés par le sommet, mais ils redescendent. Et comme disait Camus, la descente, c'est le temps de la conscience. C'est-à-dire que ce geste-là, les alpinistes, ils ont besoin de faire des films, ils ont besoin d'écrire des livres, parce qu'ils ont besoin de raconter leurs histoires. Et donc, cette histoire qu'ils racontent, en redescendant, elle fait partie du voyage. Et je trouve que, au jour d'aujourd'hui, dans notre société, on a besoin de couper la tête au sommet, d'arrêter de dire que que le sommet, c'est notre but. Parce que c'est pas vrai, en fait. Si on est toujours là, après 50 ans d'escalade, c'est que c'est pas le sommet qui nous porte, mais c'est le voyage, et c'est le partage de ce voyage. Merci. Merci Antoine. Merci tous les quatre. Merci beaucoup. Nous allons passer à la troisième discussion. C'est vrai qu'on a un tout petit peu de retard. On va peut accélérer. Et cette troisième discussion portera sur l'engagement, vous verrez, avec quatre personnalités vraiment fortes de l'alpinisme qui vont se réunir. Et avant, on va demander à Françoise de revenir. Elle va nous lire un extrait du texte écrit par personne. C'était l'été de la guerre du Golfe, mais on n'avait aucune information de l'extérieur. Juste un altimètre pour la météo. Cette force d'être juste tous les deux confrontés à la montagne. Pour moi, beaucoup de choses viennent de là. On est resté 42 jours sur la montagne. Après chaque tentative, on revenait au camp de base, fatigué, démoralisé. Moi, comme lui, on avait d'abord besoin de s'isoler, chacun dans sa tente. Et puis très vite, on se retrouvait. Pierre lisait beaucoup. On discutait de la vie, de nos conceptions de la montagne. Au bout de 2 ou 3 jours, la chimie revenait. On retrouvait le moral. On était prêts à repartir. Pierre avait vécu très violemment son échec ici, 3 ans plus tôt. Il m'en a jamais parlé. C'est en lisant la biographie de François Carrel que j'ai réalisé à quel point il en avait souffert. Moi, j'arrivais avec mes 3 échecs. Ces échecs me rapprochaient. Je me souviens d'avoir regardé vers le sommet au moment de quitter le camp 1, notre seul camp d'altitude. Ça semblait si loin, je me demandais si on pouvait réussir. Mais j'avais confiance, parce que Pierre était là. Et je crois que la réciproque était vraie. C'est ce qui nous a tenus pendant les 3 jours de l'ascension. Ce sommet, il s'en est fallu d'un cheveu pour qu'il nous échappe. 2 mots qu'on prononçait, et c'était un échec de plus. On ne parlait plus du Ken. On s'était arrêté pour se faire à boire, au bord d'une immense plaque à vent qu'il fallait traverser pour continuer vers le haut. C'était très facile de renoncer. Mais j'ai senti la force de Pierre. On allait décider de notre vie, mais on ne calculait plus. Avec quelqu'un de proche, avec mon fils,
J'aurais raisonné, je n'y serais pas allée. On s'est regardé. On n'a rien dit. On était tout à fait conscients du risque. À cet instant, il aurait suffi que l'un de nous prononce deux mots pour qu'on renonce. Si Pierre m'avait dit « Tu crois ?» c'était fini. On mettait un point final à l'aventure. Mais ces deux mots, Pierre ne les a pas prononcés, et moi non plus. Tous les deux, on a senti que c'était important d'aller au-delà. La confiance entre nous, à cet instant-là, passait par le silence. Prendre un compagnon qui n'a jamais fait de 8000, me faire confiance, je n'ai pas de mots pour le remercier. Ce rayonnement du sommet nous a porté, c'était notre survie pour la descente. On était fatigués, plus complètement lucides, mais lui comme moi, on se sentait très fort, indestructible. Rien ne pouvait nous arriver, ni à l'un, ni à l'autre. Merci François. J'ai demandé à Christophe Profi de continuer de rejoindre. Ainsi que Lunel Daudet, qui a écrit un magnifique texte sur René des Maisons. Ainsi que René Guilligny, qui a écrit un texte aussi très beau sur Alex McIntyre. Et François Desmilano, dont on parlait tout à l'heure, et qui a écrit un texte, lui, sur Godefroy Perroux, son compagnon de cordée pendant des années. Voilà, quatre très grands alpinistes. On est vraiment heureux de les avoir tous les quatre ensemble. Je ne sais pas s'ils ont déjà été tous les quatre réunis comme ça sur une scène. Et alors on a envie, parce qu'on a compris un peu ce qui vous relie à vos sujets, mais cette histoire d'engagement. René, il y a le micro est juste là sur la table. Toi, tu racontes Alex McIntyre dans la face sud de l'Annapurna en 1982, alors que la technique alpine était encore balbutiante et vous faites une tentative extrêmement audacieuse. C'était ça, pour vous, l'engagement 25 ans? C'est ce qui vraiment symbolisait au maximum l'engagement? Alors, je dois dire en préalable que j'ai accepté d'écrire quelque chose sur Alex McIntyre, alors que j'ai refusé pendant plus d'une vingtaine d'années d'écrire quoi que ce soit sur lui, malgré les gens qui me demandaient, parce que c'était très très difficile pour moi d'écrire sur la mort de mon ami, puisqu'il est mort avec moi dans la face sud de l'Annapurna, et que, après la soirée que nous avions faite pour venir en aide à Stéphane Benoît, je me suis dit, bon, ok, tu l'as fait une fois. Michel Guérin a été un ami très proche avec qui j'ai fait énormément de choses. Et la seule chose qui me manquera ce soir, c'est qu'il ne soit pas là pour me servir un coup à boire, parce que c'est ce qu'on faisait régulièrement. Donc écrire sur Alex McIntyre a été un arrache-cœur pour moi, donc je l'ai fait. On en a déjà parlé lors de cette soirée sur l'Annapurna. Pour moi, c'était un alpiniste incroyable, parce que ce n'était pas un alpiniste, c'était un espèce de yéyé pique-nique sexy. Et mon aventure et mes courses avec Alex McIntyre s'apparentaient plus à des flirts de vacances, des amours de vacances, qu'à quelque chose qui tenait vraiment à de la très haute montagne. Et pourtant, il arrivait de n'importe où d'Angleterre, c'est un gars très intelligent. Il arrivait à Chamonix avec une espèce de toison, des cheveux ébouriffés, un énorme sourire. Il arrivait à la maison, tout de suite il m'emmenait au National, et c'est au National qu'on appelle le Nash, où là vraiment, alors qu'ailleurs on parlait de montagne, là on parlait de commitment, on parlait de l'engagement. Et pour lui, dans tout ce qu'il a toujours fait dans sa vie, ce qui était important, c'était le commitment, l'engagement, plus le style. C'était une époque à laquelle on était immortels. Bon, j'ai connu la même époque avec Christophe, on a fait pas mal de trucs ensemble. C'est une époque où vraiment on est immortel. Donc, bon, face de l'Annapurna, K2, c'est pas grave, on y va. Et c'était ça. Mais une fois qu'on était dedans, on savait que si on n'acceptait pas profondément l'idée qu'on pouvait y mourir, et ça c'était une discussion que j'avais eue avec Alex souvent au camp de base, on n'y allait pas. Donc il fallait d'abord accepter ça. Je pense que c'était totalement ridicule, mais on acceptait ça. On acceptait le fait que s'engager dans une paroi telle que la face de l'Annapurna, le K2 pour Christophe ou d'autres courses, c'était quelque part accepter l'idée qu'on pouvait y mourir. Merci. François Desmilano. Alors, toi avec Godefroy, vous avez été les précurseurs de la grande épopée des ascensions glaciaires, des cascades de glace. Vous avez imaginé quasiment une nouvelle activité en,
en alpinisme, même si bon, les Anglais la pratiquaient déjà dans leur massif. Et toi, après, tu as beaucoup réfléchi à la notion d'engagement. Et tu as même travaillé à l'évolution des cotations pour intégrer cette notion dans, le, dans les cotations. Comment tu vois ça aujourd'hui, quand tu écris sur Godefroy? Je ne sais pas si j'ai beaucoup réfléchi à la notion d'engagement, mais le beau texte de Christophe ou ce que vient de dire René nous rappelle bien que s'engager, qui est vraiment une espèce de valeur cardinale de l'alpinisme, c'est un peu l'alpha et l'oméga de toutes les performances, s'engager, c'est mettre en gage. Et les alpinistes, ce qu'ils mettent en gage, c'est leur vie. Mais après, comment on parle de l'absence? Comment on parle des alpinistes qui ne sont plus là? Et comment nous qui essayons d'être des espèces de, je sais pas, des espèces de chantres d'un alpinisme heureux, de raconter le bonheur de ces montagnes et de notre activité, comment, quand on est confronté à cette absence, on la gère, on l'intègre, on continue pas, on en fait autre chose. Et c'est vrai que la demande de Charlie, hein, pour ce texte sur Godefroy, me confrontait de nouveau à ce grand paradoxe que beaucoup d'alpinistes vivent et qu'on ne résoudra, on résoudra évidemment pas. Merci. Lionel. Alors, de ton côté, alors, on a choisi, j'espère que la photo te plaît, bon, on a choisi, Stéphanie a choisi, et on était tout à fait d'accord avec elle, une photo de toi tout jeune, dans ce livre. Je suis vieux que ça. Non, mais c'est vrai, t'as 20 ans, et c'est vrai que je trouvais ça très juste, parce que ce qui a marqué quand t'es arrivé, on t'a découvert dans les années, effectivement, au milieu des années 90, plus ou moins au moment d'ailleurs où sont nées les éditions Guérin, tu es arrivé avec une très très forte volonté d'engagement, et c'était assez étonnant pour un jeune homme de ton âge, et ça, et tu as continué depuis à vivre un engagement permanent dans ta pratique de l'alpinisme. Oui, c'est vrai. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'engagement, effectivement, on largue les amarres, effectivement, on peut mettre parfois sa vie en danger, mais je crois que ce qui est le plus important, c'est qu'il faut aller un peu au-delà de tout ça et nous dire ce qu'apporte l'engagement, quoi. C'est plutôt ça, finalement. L'engagement va nous amener finalement à faire un face-à-face, à avoir un face-à-face finalement sans phare, sans maquillage, avec la montagne, donc avec soi. Et quelque part, je crois que l'engagement va rejoindre la quête fondamentale de l'être humain qui est inscrit depuis tous les temps. Vous avez qu'à regarder le frontispice à Delphes, Gnotis et Autone, connais-toi toi-même. Et je crois que justement cet engagement permet d'accéder à cette connaissance. Et cette connaissance, elle est évidemment indicible, elle est évidemment, je dirais, dans quelque chose qu'on ne peut pas marquer avec des mots et qui peut se vivre que dans les chairs. Et justement, après, comment traduire cet engagement à l'autre? Comment raconter finalement cet au-delà qui a été en quelque sorte atteint? Et je crois que justement, c'est de dire que tout simplement, il y a cette besace que l'alpiniste a remplie, et cette besace, elle est remplie de plein de belles choses. Et ces belles choses, elles ont juste à être retransmises parce que, comme le soulignait Antoine, l'alpiniste n'oublie jamais que la vie est plus importante que le sommet, quoi. Et que le sommet, effectivement, est un côté extrêmement paradoxal ou binaire, c'est-à-dire zéro le sommet et un le sommet et zéro l'échec. Et là, c'est exactement l'inverse, c'est de dire non, il y a vraiment dans l'engagement cette notion de dire que au-delà de l'échec, y a la réussite. C'est-à-dire qu'on fait le sommet ou on ne le fait pas. L'important, c'est cette capacité à mettre en œuvre les énergies et après à restituer ces énergies à l'autre dans une forme de rayonnement. Il y a le sentiment derrière l'apprentissage de plein de valeurs. C'est de dire l'engagement, il y a derrière un mot que j'aime beaucoup, un mot un peu savant, qui est la longanimité. C'est la patience de l'âme, c'est-à-dire la capacité à sourire aux événements, quels qu'ils soient. La capacité à avoir la banane dans la tempête, la capacité à finalement à toujours savoir que la vie n'est qu'un perpétuel rebond et d'arriver à trouver la phase où on va rebondir dans la même phase que la vie, quoi. Et plus encore, je crois que l'engagement apprend ce discours sur soi, c'est dire dans cette vérité je suis ce que je dis, et plus encore de dire que finalement l'engagement vous apprend à réussir votre vie. C'est quoi une vie réussie? C'est une vie où je peux dire demain je meurs, tout à l'heure je meurs, et c'est pas grave. Merci Lionel. Ça se parle très fort.
Alors si tout à l'heure on a parlé beaucoup de Patrick Hélinger, il avait inspiré une génération de grimpeurs, toi Christophe Profit, on peut dire que tu as inspiré une génération d'alpinistes très fortement dans les années 80. Et cet extrait qui a été lu, donc de l'ascension du K2 avec Pierre Béjean en 1991, tu l'as dit lors justement de la fameuse cérémonie dont parle René autour de la Napurna, que cette ascension avait transformé ta vie. Bien sûr, c'est vrai, depuis je connais Pierre, depuis cette réussite sur le cadeau avec Pierre, ça transforme ma vie. L'engagement, vous avez tous les trois très bien parlé, l'engagement fait partie de moi. Et depuis que je connais Pierre, je n'arrive pas à retirer ce sentiment de mon être. L'engagement, il est complètement dans moi. Bien sûr qu'avant de réaliser cette ascension avec Pierre, j'avais vécu des choses engagées en solo, mais ce n'était pas la même chose. Là, on est parti sur un 8000 à deux. Il y avait donc quelqu'un en face de moi. Sur ce que j'ai fait en solo avant, c'était facile pour moi de... Je pouvais décider le moment exact où je pouvais partir. J'étais sur le terrain. Il suffit que je regarde la météo, le ciel, je voyais quand je pouvais partir là-haut. On a fait trois tentatives. À la quatrième, plutôt deux tentatives. À la troisième, on part. On se retrouve donc à 8000. Après, plus haut, au-dessus du bivouac. Et là, justement, où le texte qui m'a beaucoup ému quand il a été lu tout à l'heure, où on parle de ce moment où on boit de l'eau, on se fait à boire, et là, à partir de ce moment-là, ça a basculé pour moi. Donc là, c'était vraiment de l'engagement pur. C'est-à-dire que c'était vraiment facile de renoncer, mais en même temps, on était là depuis 40 jours. On savait que renoncer là, c'est sans doute ne plus jamais revenir. Donc, Pierre m'a fait le bonheur de vivre quelque chose d'extraordinaire. Moi, c'était mon premier 8000. Et finalement, de connaître, de vivre cet engagement au plus profond. Et c'est pour ça que je n'arrive plus à m'en séparer. Alors bien sûr, l'engagement, il ne se vit pas qu'en montagne, il se vit partout. Et d'ailleurs, il ne se vit pas forcément avec le risque. On associe parfois trop souvent l'engagement et le risque. En l'occurrence, avec K2, bien sûr, on savait qu'on arriverait au coucher du soleil à 18h au sommet du K2. Donc, il aurait effectivement suffi que l'un de nous deux susurre les mots « tu crois ?» Et ça, c'est clair. Donc là, vraiment, pour moi, c'était la... Il m'avait finalement démontré d'une façon magistrale ce qu'était l'engagement. C'était aussi le caractère de Pierre, sa confiance que j'avais en lui. Être à côté de Pierre, on avait envie, on était bien déjà. Et quand on est bien, on prend la bonne décision. Et c'est vrai qu'on a pris la décision qui ne regarde que nous, parce que bien sûr, il aurait pu se passer plein de choses entre le moment où on a décidé de partir et le retour dans la vallée, mais c'était notre histoire. Et c'est vrai que je me dis qu'heureusement qu'on n'a pas parlé, heureusement qu'on est resté muet, heureusement parce que ma vie aurait été de toute façon différente. Mais en tout cas, je veux revenir juste sur la définition du mot engagement. Bon là, c'est par rapport au risque, mais l'engagement, il se vit tous les jours, tout le temps. Moi, il est tout le temps en moi, et c'est pas forcément lié toujours au risque. Encore hier, j'étais avec un client dans le vallon de Champorcher. En Italie, on a fait une belle course d'arête. On est parti sous la pluie, mais après, ça s'est tout dégagé, c'était extraordinaire. Et puis, en arrivant au col, la course était finie. Mais c'est un petit peu ce... J'ai beaucoup aimé les mots de Philippe Claudel et d'Antoine Ménestrel. Finalement, la montagne, c'est une œuvre artistique. C'est comme de la peinture, de la musique, de l'écriture. Il faut essayer de terminer le tableau. Hier matin, j'étais au col, vers 14h. Bon, je me suis dit, la course est finie, on redescend. On a quitté le col, on s'est retrouvé 5 minutes en dessous, et là, je me suis dit, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose, il faut remonter au col et finir la traversée. Et sans cette fin, alors c'est sûr, parfois, c'est un peu difficile à vivre, même pour mon entourage, parce qu'à force d'être toujours axé sur le... C'est pas de la performance, c'est simplement le désir du beau. Donc je suis remonté au col et j'ai terminé la traversée. Et j'ai bien dormi, et je vais bien dormir ce soir. Merci, Christophe. Je me demandais en vous entendant, est-ce que c'est une question d'âge, l'engagement ? J'entendais René dire, il y a un âge où on est immortel. Christophe vit encore l'engagement.
alors que tu n'as plus l'âge que tu avais au moment de la... des drues. Ah bon, c'est une question d'âge, non? Non, bien évidemment que non, et je crois que c'est juste une attitude. Je crois que l'engagement amène à cette liberté que nous, à laquelle nous aspirons tous aussi, qui est cette liberté d'être avec les règles que l'on va se fixer, avec les contraintes que l'on va adopter et évoluer dans ce champ-là d'une manière extrêmement limpide et extrêmement claire. Et je crois que il n'y a pas une question d'âge pour ça, c'est plus un éveil de la conscience. Et cet éveil de la conscience, il vient évidemment de par l'entourage familial, par exemple, il peut venir aussi de la lecture. Et c'est pour ça que souvent des livres sont beaucoup plus importants qu'ils ne le paraissent, puisque justement tout ce qui fait qu'un être humain est construit de telle ou telle façon peut aussi venir des livres. Et c'est vrai que, étant originaire d'une région de plaine, je suis aussi passé par la lecture de nombreux récits qui m'ont quelque part nourri et également construit. Et notamment de Maison dont tu... Dont oui, alors de Maison, c'est un peu l'aparté, c'est le fait, c'est vrai que... voilà, je suis originaire de Saumur, dans une région qui est plus connue pour ses vins, son château, son cadre noir que pour ses alpinistes. Et j'ai eu la chance d'assister à une conférence de René de Maison. À l'époque, c'était Connaissance du monde, les Andes vertigineuses. Et c'est vrai que cette rencontre m'avait marqué un peu au fer rouge d'une manière indélébile et m'avait en tout cas mis le doigt sur... quelque chose qui était très important, c'est qu'effectivement, on est porté dans une société par un ensemble d'êtres humains qui souvent vous amène dans une direction, et cette direction n'est pas forcément celle à laquelle vous aspireriez d'une manière profonde. Et je crois que justement, des rencontres comme celle que j'ai pu avoir avec René de Maison, la lecture d'un livre peut amener cet effondrement et finalement, quelque part, cette reconstruction de finalement aller dans la vie là où je sens que je dois aller et non pas là où les autres voudraient que j'aille. Merci. Alors, question d'âge ou pas, François Damilano, je crois que tu pars au K2 dans quelques mois. Donc l'engagement montagne n'est pas une question d'âge, puisque c'est quand même si c'est par la voie normale, c'est quand même pas rien d'aller au K2. C'est bien d'officialiser les projets, Christophe, je te remercie. Je vais passer une bonne soirée pour en rentrer à la maison. C'était quoi la question? Non, il n'y a pas de question. Donc François, tu avais envisagé peut-être éventuellement de partir en expédition, non, mais je crois que le projet... Christophe a bien expliqué que l'engagement, c'était pas uniquement lié au risque. Alors moi, je vais rajouter une chose. L'engagement, c'est pas uniquement lié non plus au niveau de la difficulté. Et bien évidemment que ce qui est intéressant dans l'alpinisme, c'est que quelle que soit la difficulté de la course envisagée, chacun, dans son projet, on s'engage. Et c'est ça que ressentent nos clients quand on les guide vers les sommets qu'ils ont choisis, les amateurs quand ils vont faire de l'alpinisme le week-end, ou nous quand on va grimper. Et en fait, c'est toujours ce jeu avec ses propres limites, avec ses propres rêves, avec ses propres projections, et c'est ce jeu-là qui est intéressant et qui nous remplit dans l'acte de l'alpinisme. C'est aussi, tu l'évoquais avec René Bonvalet, lié au métier de guide. Est-ce que le métier de guide, c'est finalement pas prendre en charge justement cet engagement et le partager tout en ayant la responsabilité de l'autre? René, c'est comme ça que tu le vois aussi? Je suis assez mal placé pour parler de ça parce que le souvenir qui me poursuit depuis 1982, depuis la mort d'Alex et depuis la Napurna, et c'est un souvenir qui a vraiment provoqué en moi beaucoup de changements, c'est qu'à un moment donné, nous avons pris la décision de faire ce qu'aucun guide ne doit jamais faire normalement, c'est de défaire le nœud. Voilà. Et le jour où j'ai défait ce nœud qui, au début d'une très grande traversée très dangereuse et qui était absolument improtégeable, allait peut-être protéger la vie de l'un d'entre nous, ce nœud, je suis des années après, je regrette de l'avoir défait et je sais que c'est indispensable. Alors, effectivement, quand on est guide et qu'on s'engage et quand on va en montagne avec des clients, ce nœud-là, c'est quelque chose qui est sacré, qu'on ne doit pas défaire pour les... radonner
dans leur famille, pour les ramener parmi les vivants et pour les ramener avec du bonheur et une bonne santé. Et le jour où je me suis trouvé avec Alex et que nous avons décidé à deux de défaire ce nœud en disant si quelque chose arrive, l'un de nous va survivre, et c'est moi qui ai survécu, ça me poursuit depuis 20 ans. Et c'était vraiment très difficile. Donc défaire ce nœud, quelque chose d'incroyable, on ne se rend pas compte que quand on le fait, c'est aussi important. Et le métier de guide, il est d'une importance capitale parce qu'on fait ce nœud. Et quand on a fait ce nœud, on sait qu'avec la personne qui est en face de nous, ce nœud, on ne peut pas le défaire. On ne doit pas le défaire. Merci. Merci. Juste un petit mot sur le métier d'éditeur et sur ce magnifique travail des éditions Guérin et de Charlie. Ça aussi, c'est un sacré engagement. Et c'est un sacré engagement, celui de l'éditeur vis-à-vis de son ou ses auteurs et de mener ce projet encordé jusqu'au bout. Donc bravo Charlie et bravo et Stéphanie, et bravo et merci François qui est également éditeur. C'est une maison d'édition. C'est pas pour ça qu'il sait ça. Mais il sait ce que c'est. C'est voilà. Bon, merci messieurs, merci malheureusement. On aurait bien aimé continuer la session. On va passer à la dernière discussion. On va revenir à l'accordé, un peu à l'essentiel. Et avant de faire venir nos invités, nous allons demander à François de lire le dernier extrait. Et il s'agit d'un très beau texte écrit par Jean-Louis Etienne sur Lionel Thérèse. Jean-Louis Etienne qui nous rejoindra. Quand j'étais adolescent, une image panoramique de la chaîne du Mont Blanc accrochée au mur de ma chambre m'emmenait loin du pensionnat de Mazamet où je faisais mon apprentissage de tourneur-fraiseur. Je me projetais dans les parois vertigineuses en lisant les romans de Frison Roche. Je connaissais par cœur le nom des sommets, des glaciers et des refuges sans jamais y être allé. Je voulais devenir alpiniste, vivre à la montagne. J'ai écrit au maire de Gavarnie pour lui demander s'il n'aurait pas un travail pour moi. Il m'a invité à le recontacter quand j'aurais un métier. J'ai tracé ma voie, du CAP au bac technique et à la fac de médecine. C'est pendant ces années-là que j'ai découvert les conquérants de l'inutile, une révélation. Comme Thérèse, j'aimais passionnément la nature. Comme lui, la monotonie du monde me terrifiait. Je rêvais d'une existence noble et libre. Lionel Thérèse devint mon modèle. Tout ce que je découvrais de lui résonnait en moi. Il avait grandi face au massif de Belledonne. Son amour exclusif pour la montagne s'était manifesté très tôt. Très jeune, il avait manifesté et exprimé une exigence sur le sens qu'il voulait donner à sa vie. Je me souviens d'un soir d'hiver dans la montagne noire. J'avais 27 ans. J'étais venue dormir à la Belle Étoile après 6 mois d'errance en Californie. C'était la pleine lune. Il y avait beaucoup de vent. Un ciel brillant, chargé d'étoiles. Cette nuit-là, j'ai retrouvé ce besoin de nature sauvage bien ancré en moi. Et j'ai réalisé que mon nouveau métier de médecin offrait cette liberté. Je me suis vue faire mes visites à ski et partir en montagne après le travail. Duvet dans le sac, comme Lionel Thérèse avait gravé un sommet après une journée à faire les foins. J'ai commencé à prendre des remplacements de médecin dans les Pyrénées, puis à Tignes. C'est un peu à Thérèse que je dois d'avoir choisi cette vie nomade, qui après bien des détours, m'a conduit jusqu'au pôle Nord. Je me souviens encore de ce jour de septembre 1965, où j'ai appris la mort de Lionel Thérèse à la radio. Son corps avait été retrouvé au pied d'une falaise du Vercors, avec celui de son compagnon de cordée, Marc Martinetti. J'avais 19 ans. Je me souviens de son regard bleu, tourné vers les sommets, en couverture de Paris Match. Thérèse était une figure connue et appréciée. Les Français étaient nombreux à l'avoir croisée à l'occasion de ses interminables tournées de conférences à travers le pays. Sa brutale disparition fut un choc national. Du même ordre, je crois, que la disparition en mer d'Éric Tabarly. Il y avait du Thérèse chez le célèbre navigateur que j'ai côtoyé pendant la course autour du monde. La même approche courageuse des forces de la nature
à la fois brute et dépouillée, sensible et instinctive. Aujourd'hui, en écrivant ces lignes, je réalise à quel point ces deux êtres d'exception ont inconsciemment orienté ma vie. Merci. Demander à Blaise Agresti, qui a écrit un très beau texte sur Emilio Comici, Christian Tromsdorf, qui a écrit sur son compagnon de cordée Yannick Graziani, et Daniel Dulac, qui a écrit sur son maître spirituel, Lucien Berardini. Alors, merci d'être là tous les quatre. Là aussi, nous avons quatre très belles personnalités de la montagne, c'est vraiment content que vous soyez là tous les quatre réunis. Jean-Louis, cette notion de cordée, elle est née effectivement à travers Lionel Terray et cette passion pour la montagne, mais tu l'as portée dans toutes tes activités. Tu as toujours été connecté, mais que ce soit même presque quand tu étais en solitaire, puisque tu étais connecté avec tes compagnons qui te rentaient, qui t'aidaient, mais tu as toujours eu cette connexion, cet esprit quand même. Oui, je vais rebondir. Juste une petite. C'est Charlie qui m'a donné cette opportunité d'écrire sur l'hymne d'intérêt, qui est une chance formidable, et pardon, je suis ému. Et excusez-moi. Et venir ici parler de l'hymne d'intérêt, c'est un peu comme si on demandait à un curé de campagne du Tarn, dont je viens, de parler du pape devant une assemblée de cardinaux. Et, il y a là la crème des alpinistes. Et nous sommes ici chez ce monument qui était Lionel Terray. Et donc moi qui suis originaire de la Montagne Noire, effectivement, je ne me sentais pas cette légitimité pour parler de ce grand homme qui m'a beaucoup inspiré. C'est ce que je voulais dire en préambule. Et effectivement, en lisant, Charlie m'a offert cette chance, et en relisant Terray, et aussi bien sûr en relisant la Chenale, j'ai retrouvé l'inspirateur qu'il était. Au tout début, c'est vrai, quand j'étais adolescent, il m'a beaucoup inspiré. Et je me rends compte qu'en lisant la vie de Terray et en la menant avec la mienne, je me suis rendu compte que cet homme m'avait marqué à toutes les étapes de ma vie. Cette espèce de persévérance, de générosité, de force. J'ai été au pôle Nord parce que je n'étais pas un bon alpiniste et parce que je n'étais pas un bon navigateur. C'est facile d'aller au pôle Nord. Quand je dis ça, c'est pas technique. Vous voyez, on n'a pas besoin de faire un stage de 15 jours pour apprendre à tirer un traîneau. On vous met un traîneau autour de la taille et vous avez compris dans la seconde qu'est-ce qu'il faut faire. Par contre, tout ce que j'ai fait avant en tant que médecin, avec toutes ces expéditions que j'ai faites, à la fois avec des montagnards et des alpinistes, m'a fait devenir un super campeur. En fait, j'ai réussi le pôle Nord parce que j'étais un super campeur. Parce que ce qui est difficile, c'est pas le terrain il est bon, il faut faire attention bien sûr, mais ce qui est compliqué, c'est quand on s'arrête. C'est un peu une succession de bivouacs qui durent 63 jours dans des conditions difficiles, et cette trajectoire de Lionel Terray libre est quelque chose qui, quand j'ai écrit ces lignes là m'a revigoré et m'a donné envie de continuer ma vie comme ça. Merci beaucoup Jean-Louis. Christian, alors, et je trouve intéressant parce que tu as écrit un texte vraiment très sympa sur Yannick. En plus, il est illustré d'une photo très étonnante de Yannick en plein équilibre comme ça. L'histoire aussi, c'est que toi, dans l'approche de la cordée, il y a bien évidemment toutes les ascensions que vous avez faites ensemble, mais aussi un troisième homme, c'est-à-dire que vous avez aussi souvent fait cordée à trois. Et ta lampe, ça ne veut pas dire ménage à trois, hein, cordée à trois, attention. Et souvent, tu revendiquais cette idée qu'en Himalaya, en haute altitude notamment, le fait d'être trois était un gage de sécurité par rapport à la lucidité qu'on pouvait avoir. Oui, Patrick Vagnon, donc le troisième, qui habite actuellement au Népal. Disons que ça simplifie le mécanisme de prise de décision. Quand il y a deux qui sont d'accord, le troisième, il ferme sa gueule, il suit. Donc c'était surtout pour cette raison-là, parce que donc, quand on est à deux, et notamment avec Yannick, c'est pas forcément simple de prendre des décisions ensemble, voilà. Mais je pense que deux ou trois, effectivement, c'est le bon nombre, c'est-à-dire c'est la
cordée alpine. On a entendu un certain nombre d'intervenants. Je pense que c'est la cordée, forcément, au minimum, c'est 2. 3, c'est pas mal parce qu'on peut partager notamment le poids, donc les charges qu'on porte avec nous en style alpin, et puis la prise de décision. Et puis au-delà, ben, c'est plus une cordée. Au-delà, c'est en général 2 cordées. Ça se fait pas mal actuellement, hein, 4 personnes ou 5 qui partent ensemble. Moi, je trouve que 2 ou 3, c'est parfait. Merci. Blaise, alors c'est intéressant ce que je vais faire intervenir Blaise sur l'idée, parce que bon, maintenant tu as quitté le secours en montagne depuis déjà un certain temps, mais tu as quand même, ça a été une bonne partie de ta vie, cette idée de sécurité. Et là, la notion de cordée, elle est essentielle parce que ce soit dans le fait d'apporter le secours, dans la gestion du secours, l'encordement, de relier les gens est essentiel. Oui, je ne m'attendais pas à ce qu'on revienne sur ce secours en montagne. Je pensais qu'on avait parlé de Comichi, qui était le portrait que j'ai tenté de faire. Et effectivement, Comichi finit sa vie sur un triste accident d'escalade, alors qu'il a fait ses solos extraordinaires dans les Dolomites. Et effectivement, il meurt bêtement dans une séance d'escalade, où effectivement, avec quelques jeunes filles qui l'emmènent grimper près du village où il était devenu maire. Donc on est... 1940, un accident tout bête, il met un bout de cordelette pour faire un rappel et il tombe. Donc c'est vrai qu'à travers Comichi, cette mort de Comichi, on revient vers l'accident, vers l'événement qui effectivement fait basculer la vie si facilement, si rapidement en montagne. Et les équipes du secours en montagne, en général, le ressentent. Cette fragilité, elle est constante, elle est permanente. C'est ce qui fait probablement le sens profond de cette activité. Mais voilà. Quand ça bascule, c'est effectivement, on est sur une autre histoire. François a évoqué l'idée de tout ce cortège d'alpinistes perdus. René aussi l'a évoqué. Voilà, on est aussi avec ce fond des amis perdus. Et l'alpinisme est quand même, par rapport à ça, par rapport à ce lien de cordée qui peut aussi s'arrêter à un moment donné, ça donne une dimension à la fois effectivement dramatique, mais une puissance aussi qui est assez essentielle pour comprendre la pratique. Mais derrière, il y a d'autres choses, et peut-être on en parlera tout à l'heure, mais parce qu'il y a des choses qui, moi, m'intriguent beaucoup dans la compréhension de ces choses-là. Ah, d'accord, on va revenir. Peut-être on va demander à Daniel, lui, ben, nous parler pour le coup de quelqu'un avec qui il a partagé la corde et qui a été à la fois un maître et un ami, et quelqu'un qui avait la sympathie de tout le monde de l'alpinisme, c'est Lucien Bérardier. Je ne sais pas s'il avait la sympathie de tout le monde, parce qu'il avait un caractère particulier quand même, mais pour dire très succinctement qu'il a été pour moi, il a été le grand-père que je n'ai pas eu. Et il m'a montré, il m'a ouvert la voie, il m'a permis, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est lui qui m'a pris sous son aile et qui m'a transmis bien des valeurs. Qui m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui et d'avoir été dans les compétitions d'escalade à très haut niveau et d'être devenu guide de montagne également. Alors, on va revenir peut-être à Blaise, alors, pour revenir sur ces éléments autour de la notion de cordée. Alors, peut-être, sur quoi tu voulais revenir tout à l'heure? Non, mais je voulais revenir encore à cette figure de Comichi que moi j'ai exploré et puis sans vouloir être obsédé par cette figure-là, mais c'est vrai que l'image de Comichi, c'est cet alpiniste incroyable, ce grimpeur, cet esthète incroyable qui a devancé les années 80, les Patrick Hédinger, etc., parce qu'il a été ce grimpeur élégant, esthète de la verticale, avec un talent extraordinaire. Ça, c'est l'image que moi j'avais en rentrant dans cette histoire-là. C'est la fin de son histoire, ce qu'elle est, mais c'est pas le sujet. Le sujet de Comichi, ce qu'il a apporté à l'alpinisme, c'était effectivement d'avoir grimpé en solo, les trekking, d'avoir fait des choses extraordinaires. Mais finalement, je suis parti de cette idée-là et j'ai plongé dans une autre histoire. Et c'est ça que je trouvais intéressant, qui est celle d'un jeune Italien qui grandit dans les années, dans l'après-guerre, Première Guerre mondiale, à Trieste, qui est fils de docker d'un port, du port de Trieste, et qui effectivement va aller dans des clubs sportifs, qui sont les lieux où le fascisme va grandir. Et en fait, dans l'histoire de Comichi, il y a ce rapport à l'histoire, ce rapport au temps dans lequel on vit, parce qu'effectivement, il va être aussi instrumentalisé largement par le régime Mussolini. Et j'ai retrouvé les premiers textes de la narration de son solo au Trecim, où effectivement,
effectivement, à la fin de sa narration, où il décrit tout le sentiment de puissance d'avoir gravi en saut, d'avoir réussi cette paroi incroyable, après l'avoir préparé, etc. Mais finalement, une phrase est enlevée par l'ensemble de personnes qui ont écrit ces textes-là en disant « Le Duce me l'a demandé ». Quelque part, ça m'a beaucoup troublé sur la motivation des alpinistes. Je ne m'y attendais pas du tout. On en a parlé avec Charlie. Alors, c'était dans les fonds tiroirs quand même du club alpin italien. C'est une histoire qui est assez connue. Mais quelque part, on part, et on a vu cette soirée, on parle beaucoup de la dimension esthétisante, de la puissance des choses, etc. C'est l'image que l'on veut donner de la pratique de la montagne. Mais quelque part, ça nous renvoie à d'autres réalités parfois plus crues. On l'a évoqué aussi précédemment. Mais aussi, l'alpinisme vit avec son temps. Alors c'est vrai qu'on est à l'époque de Rousseau, on va aller conquérir le Mont Blanc, transgresser les peurs ancestrales pour aller quelques années avant la libération, la Révolution française, avec la liberté qui vient comme une évocation puissante. On peut dire que effectivement l'alpinisme, à sa naissance, était une quête de liberté. Moi, ça m'a perturbé, parce qu'effectivement, l'histoire de Comici renvoie évidemment à l'histoire, à l'histoire douloureuse des années 30, et finalement on voit quelqu'un qui a été instrumentalisé par dans sa passion, qui avait une grande noblesse, et il s'est engagé, il a été totalement engagé, parce que pour faire ce qu'il a fait, c'était... Mais finalement, moi, ça m'a beaucoup interpellé, et quand je regarde ce soir, il y a tout un tas de motivations, effectivement, on tend vers un absolu, qui doit être épuré, qui ne doit pas participer d'une logique de reconnaissance, de gloire, de quête de... On doit être dans l'intériorité, mais l'est-on réellement ? Il y a... Merci. Je vais faire une toute petite parenthèse, c'est que le cas de Comici l'a troublé, hein, clairement, au moment de décrire, de découvrir ses liens avec le régime fasciste. Et on a des petites correspondances qui se sont créées, un peu par les hasards de ce livre. Jean Hamquin a écrit un portrait de Gervase Auty qui, lui, a fait le choix en 1938 de rompre avec le régime fasciste et qu'il a emmené vers un alpiniste aventureux dont Jean parle très bien puisqu'il se relie à sa pratique. Voilà. Donc ça fait partie des petits hasards qui se sont révélés en travaillant sur ce livre et je te remercie d'avoir accepté d'ouvrir cette porte un peu. Il y a aussi le portrait d'Henri Charard qui est aussi un personnage qui pose aussi quelques problèmes par rapport à l'histoire. J'avais quand même une question importante que je voulais vous poser, surtout à Christian. On a longuement discuté avec Yannick de ces différentes ascensions, de la difficulté parfois à mettre des mots sur ce qui peut vous conduire à grimper ou à grimper ensemble, à vous unir. Est-ce que c'est quelque chose qui progresse, sur lequel vous cheminez également, cette idée d'arriver à mettre des mots sur ce qui vous motive, ce qui vous conduit à grimper ensemble? Je pense que ce qui nous réunit avec Yannick, c'est l'importance d'être en montagne et puis de partager des projets sans forcément trop en parler, justement. Et je pense que, voilà, je rejoins un peu Blaise sur le fait qu'il y a plein de caractères différents, hein, dans l'alpinisme, plein de motivations différentes. Et au bout du compte, de retraduire par des mots ce qu'on peut vivre, surtout dans les expéditions en haute altitude, où on a quand même la conscience qui évolue, du fait même de rester longtemps immergé dans un univers qui est complètement pas du tout fait pour l'homme. Et puis quand on commence à arriver au-dessus de 1000 mètres, et ben, on a vraiment une altération de la conscience. C'est indescriptible. On peut le vivre, mais on ne peut pas le décrire. Et puis même au bout de quelques années, quand on reparle de certains souvenirs, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des formations. Donc, déjà, à l'intérieur de nous-mêmes, ça évolue. Donc le retraduire dans des livres, c'est compliqué. Moi, je trouve ça, extrêmement intéressant pour l'inspiration, mais il faut savoir que voilà, il y a le récit, il y a la réalité, il y a le récit. De la réalité, le souvenir, le récit. Et puis il y a aussi derrière parfois des objectifs qui peuvent être. L'objectif quand même premier d'un éditeur, c'est de vendre ses bouquins. Hein. Donc, il y a des déformations, ça fait partie de la vie. Au bout du compte, ce qui est important, c'est d'aller en montagne. Et puis par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, je dirais, dans le monde, c'est de continuer à y aller, de continuer dans des pays comme l'Iran, comme le Pakistan, comme le Tibet. Il peut y avoir plus ou moins de difficultés et puis une image qui devient compliquée, hein, de ces pays-là. Donc, l'important, c'est de continuer à y aller. Et si les livres peuvent aider à ça, tant mieux. Jean-Luc, peut-être on va conclure cette partie de débat sur
le fait, justement, dans le dernier livre qu'on a publié aux éditions Paulsen l'an dernier, Persévérer, tu reviens sur ce fameux pôle d'or de 86, et tu reviens donc 30 ans pratiquement plus tard. Et c'est important de revenir comme ça sur une expérience forte 30 ans plus tard et de réécrire, de revisiter son propre parcours. Oui, l'écriture permet en fait, j'ai eu du plaisir à écrire. L'écriture, assis, quand on va chercher le souvenir de ce qui s'est passé, c'est une façon de revitaliser, de refaire vivre en soi ce qui s'est passé. Et j'ai eu des moments d'émotion à travers l'écriture. Christophe, tout à l'heure, Christophe Profit, j'ai partagé tout ce qu'il disait. À un moment donné, je me suis senti quand ils se disent « on y va » et c'est tout. Et c'est tout. Et en fait, c'est un moment qui d'une grande intensité et en même temps qui peut devenir d'une grande fragilité, quoi. Et une des raisons pour laquelle j'avais été au Pôle Nord, seul, effectivement, j'avais été à Résolbé, dans ce village là-haut, tout à fait au nord, me raconter, il y avait qu'ils étaient partis à deux, à trois, et en fait, c'est le début, le plus difficile, c'est un chaos terrible, et les températures sont moins 52 sous la tente, c'est, putain, on est à la limite du matos et de la vie, quoi, on se réveille la nuit, je savais que j'étais en hypothermie, enfin, c'était limite, et donc je suis sûr que si on avait été à deux, on se serait dit, attends, on déconne, il faut rentrer. Et en fait, c'est toujours ce qui s'était passé avant. Et donc, quand il dit, à un moment donné, on y va, il ne faut pas en dire plus, quoi. Et c'est un peu ce que je me disais tous les matins. Et effectivement, pour revenir à ce que tout le monde a évoqué sur sa motivation, effectivement, vous avez compris que je suis allé au Pôle Nord seul. J'y suis pas allé pour être seul. Bon, c'est pas la peine d'aller si loin. J'y suis allé pour être le seul. Et donc, il y a un engagement personnel, il y a une fierté à cette dans cette conquête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est longue. Et donc, il y a une transformation. Le voyage vous transforme. Au début, effectivement, vous arrivez avec toute l'ambition du gars qui va conquérir le pôle Nord. Et il n'y a personne, c'est pas comme le Tour de France sur le bord de la route, qui vous dit, allez, vas-y. Vous êtes seul avec l'idée que vous êtes fait de cette expérience-là. Et en fait, ça me dépassait totalement parce que la banquise, c'est un chaos, surtout là. Et puis le camping était absolument horrible. Et je cherchais une issue honorable. Et je me disais, putain, si tu pouvais te casser une jambe. Histoire de revenir sur un brancard plutôt que de revenir en disant j'ai froid. C'était pas bon pour l'explorateur polaire. Et en fait, la transformation, la distance fait que tout d'un coup, petit à petit, je me suis dépouillé de ce qu'on pourrait appeler les faux mobiles, hein, les mobiles extérieurs à soi, pour entrer. Le voyage était si long que je suis entré, en fait, dans le rêve du petit mec qui voulait aller au Pôle Nord. Parce que ce rêve existe, et puis pour le réaliser, on construit par rapport aux autres, par rapport à la société, par rapport à des engagements que l'on a, et le dépouillement dû à la longueur. En plus, j'avais la chance, il n'y avait ni GPS, ni Iridium, j'étais seul. Avec Michel Franco qui est là dans la salle et qui me disait ma position que je ne comprenais à peine. Et donc le voyage m'a transformé. Effectivement, à un moment donné, j'ai touché ce que c'était que le rêve. Et donc, en conclusion, dans toutes les entreprises que l'on entreprend, que ce soit pour l'édition, que ce soit n'importe quoi dans sa vie, toujours remettre le rêve à la surface. Ne pas oublier de faire ça parce que quand on entame quelque chose, souvent on est submergé par l'administration, par la complexité, par le visage du monde, par les gens qui essayent de vous décourager, et toujours se dire, putain, il y a un truc qui m'a allumé à un certain moment, ce petit rêve-là, cette flamme-là, il ne faut jamais oublier de la remettre à la surface. Et donc j'ai connu effectivement ce que c'était à un moment donné d'avoir la chance d'avoir ce rêve dépouillé à la surface et d'arriver au pôle où là, toutes les cellules de mon corps étaient heureuses. C'est un moment qui est inoubliable dans une existence. C'est quelque chose qu'on a rarement l'occasion de s'offrir. Et donc, voilà un peu mon parcours. Alors, j'ai un livre aussi, merci. Je voulais ajouter une petite chose. On a finalement, le monde s'est en train de donner une image un peu abstraite de la cordée, puisqu'on parle de solitaire, on parle de cordée, ce qu'on a beaucoup recherché dans ce livre, hein, de cordée de connivence à travers les époques. Mais René a parlé très bien tout à l'heure, René Guilligny, de l'intensité de ce que représente nouer une corde ou la dénouer. Et je crois que Daniel, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus.
Oui, il me semble que c'est intéressant dans le thème de l'accordé de revenir au sens premier de ce que c'est que s'encorder, pourquoi on s'encorde, pourquoi on fait ce nœud dont René a parlé tout à l'heure. C'est pour aller, pour être plus fort, pour aller plus loin, plus haut, pour s'engager plus, pour répartir les charges. Ça nous engage vis-à-vis de l'autre. Mais finalement, le guide qui s'encorde, il y a un grand paradoxe, parce qu'au début, il ne peut pas faire confiance. Le guide, il fait tout sauf confiance à ses clients. Le guide ne tombe pas, d'ailleurs. C'est pour ça que le guide ne tombe pas. C'est pour assurer la sécurité de ses clients. Et puis, petit à petit, la cordée va prendre du sens parce qu'on établit un lien de confiance, un lien qui, parce qu'on vit des choses concrètes dans l'adversité, va prendre du sens. Et la cordée, j'ai envie de dire, elle devient vraiment une cordée avec un grand C. Cette intimité, cette complicité qu'on peut avoir qui est rare, finalement, c'est quand un regard devient plus fort que... Quand les regards deviennent plus forts que les mots. Quand on n'a plus besoin de parler pour prendre une décision, justement comme Christophe Profil en a très bien parlé avec Kerbégan. Et donc, le sens premier de l'accorder, c'est avant tout pour pouvoir faire des choses plus dures avec plus de sécurité. Et ça fait naître beaucoup d'échanges, et le lien de l'accorder est très symbolique, c'est l'arc-en-ciel qu'il peut y avoir entre deux êtres et qui peut être source d'énormes satisfactions, et non pas d'aller chercher des sommets, mais de valoriser ce lien qui va avoir beaucoup plus de valeur finalement que le sommet qu'on est allé chercher. Ben voilà, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous quatre. Dernier texte de la soirée, et après ce sera ouf. On demandera à tous les auteurs présents dans la salle, il y en a une cinquantaine, de venir sur scène pour une espèce de grande photo de famille autour de ceux qui sont alpinistes. Merci. Si on considère la vie bien trop courte de Michel Guérin et l'homme qu'il était, ses passions, ses talents, son caractère, on ne sera pas surpris qu'elle l'ait amené à devenir éditeur de livres de montagne, ni qu'il ait réussi à imposer sa marque. Tour à tour prof d'histoire, libraire, publicitaire et depuis toujours alpiniste et grimpeur, il avait tout ce qu'il fallait pour se lancer, et dans la spécialité qu'il s'était choisie, on n'imagine pas meilleure prémisse. Mais pour qui a connu le libraire de la rue de la Petite Gargouille à Briançon et presque partagé son quotidien pendant 7 ans, rien de ce qui constituait l'ordinaire de sa vie ne laissait présager du tour qu'elle allait prendre par la suite. On aurait pu se douter, si seulement on y avait pensé, mais on n'y avait jamais pensé, que de cette vie-là, il n'allait pas s'en contenter longtemps. Mais à la fin des années 1970, l'avenir, le souci qu'on en avait, se jouait dans le très court terme, à savoir comment on allait finir la journée, après le ski ou l'escalade. Bref, chez qui on allait manger, qui allait acheter le vin, renouveler le stock de cigarettes, et avant de distribuer les cartes sur une table débarrassée des assiettes, mais pas des verres, savoir qui avait du matos, cette chose qui se conserve dans du papier alu, des cigares, au fond des poches. Nos soirées commençaient vers 6 heures, par un rendez-vous à la librairie Le Fou, l'art noir, que Michel tenait avec son associé, Françoise, l'une des belles et passionnantes jeunes femmes qui ne comptait pas pour rien dans notre empressement à fréquenter la boutique. À la librairie, derrière son comptoir, Michel arborait un pantalon à pinces, une chemise bleue ou blanche, des chaussettes noires ou violettes, des chaussures en cuir. Rien d'ostentatoire, pas de marque, mais une tenue qui offrait un contraste saisissant avec celle du grimpeur qu'on avait quitté quelques heures auparavant et qui s'habillait de tout ce qui lui tombait sous la main. Mais après l'escalade, le grimpeur faisait place au lettré. Et de la tête aux pieds, plus rien dans son apparence qui puisse distraire un amateur de Saint-Beurre ou de Michaud de la conversation.
conversation qu'ils avaient engagée. L'élégance était toute dans l'attention qu'il accordait aux autres. Des livres, il parlait juste. Il disait, sans s'éprendre, les mots qu'il fallait. À ceux qui en voulaient plus, il disait plus. À ceux qu'il connaissait, l'essentiel. Il était à son affaire. Il a fait de nous de bons lecteurs. Avant de le connaître, je croyais l'être. En vérité, il m'a appris à lire. La librairie fermée, direction le bar du tourisme. À deux pas de la boutique, tenue par un couple de septuagénaires alertes, M. Ziegen et sa femme Lydie. Le patron, suisse-allemand, qui appelait Michel M. Kérin, accueillait ainsi dans son bar des grimpeurs dont il ignorait les mérites, mais appréciait les pièces d'un franc qu'ils empilaient dans les deux livres de l'établissement, une paire de plantureuses américaines que notre petit Suisse allait traire tous les soirs avant la fermeture. Les bières défilaient avec le flipper, le vin blanc avec la fondue qui suivait, puis les cartes, les alcools qui échauffent les têtes, et enfin, chacun chez soi, pas toujours seul. 21 jours où Michel rencontra Marie-Christine. Ils ne tardèrent pas à filer à Paris, où Michel troqua la défroque du libraire contre les habits neufs du publicitaire parisien qu'il était devenu. Ils gagnèrent beaucoup d'argent, s'installèrent à Chamonix et créèrent les éditions Guérin. Le premier livre rouge sorti à la fin de l'été 1995. Ces années-là, je ne les vis plus que de loin en loin, à Paris, pour des stages de remise à niveau, comme il appelait nos visites à Fontainebleau, ou à Chamonix, et nous allions au col des Montais, ou à Valorcine. Il avait pris du poids et perdu 2 degrés sur l'échelle de Welsenbach. Mais rien de cette intrépidité qui le faisait avancer en montagne, de cette audace qui nouait les tripes de quelques pointures que j'ai vu pâlir au moment de s'encorder avec lui. Merci François. Vous présenter une personne qu'on a oublié de présenter, qui fait partie aussi des éditions Guérin, c'est Christophe Reynard. Les éditions de Main de Maître, il est génial, et il sait aussi être un formidable animateur, vous l'avez vu ce soir, animateur d'équipe, enfin voilà. Je peux en dire beaucoup, mais on va se retrouver au bar et on en parlera, si vous voulez bien. Allez les auteurs, c'est... venez nous rejoindre les auteurs, les 50 auteurs qui sont là. J'en vois plein, là, Pascal Tournaire, Paul Pez, Christophe Profi, Lionel Daudet, Sylvain Tesson, Claude Jacoux, à la liste est longue. Christophe Dumarey qui est là avec nous aussi ce soir. Jean-Louis Thiède, Christian de Marliave, Marie-Christine Guérin. Revenez sur scène, madame Guérin. Pierre Néret qui a fait un formidable portrait de Chantal Mauduit. Guillaume Vallot, François Maudou, François Damilano, François Carrel, Jean Chevenelot, Jocelyn Chavy au rapport, Jean-Marc Porte. Mon complice de 10 ans. Yves Braillard, plus communément appelé Minou. Antoine Chandelier. Allez, venez tous, je crois qu'il y en a encore. Il y en a 5 ans. Attention, parce que là, il y a une brochette, c'est exceptionnel de les avoir tous. Sylvain Tesson, Claude Andrieux, le réalisateur. On oublie Gilles Chappas qui doit être là, oui. Et alors, moi je voulais profiter de Bernard Ami aussi qui est le milieu. De ce qu'on a, on a vidé la salle et rempli la scène pour remercier d'abord tous les auteurs qui sont là. Merci à tout le monde.
Et merci aux 16 qui sont montés sur scène, parce que je trouve que personnellement, ils ont donné une magnifique image des belles surprises qu'on a eues en travaillant sur ce livre et de la richesse de ce qu'il y a dans l'alpinisme. Voilà, de tout ce que c'est que l'alpinisme, je trouve qu'ils nous ont très bien transmis tout ça. Voilà, donc merci à tout le monde et merci à ceux qui n'ont pas pu monter sur scène. Merci. Voilà, j'ai oublié Christine de Colombel, Bernard Germain, Gilles Modica qui se cache là-bas. Très grand auteur, voilà, ils sont tous là. Merci beaucoup, merci. Et maintenant, que la fête commence. Alors, si vous avez des livres à dédicacer, je vous souhaite bonne chance. Ça va pas être facile, mais c'est un vrai challenge. Celui qui arrive à dédicacer tous ses livres, on lui fera un petit cadeau, je vous promets. Ils sont là, ils sont avec vous, on va aller boire un coup tous ensemble. T'es auteur aussi. Ah oui, bah, oui, enfin bon. Monsieur Maj, à son aspect, comme une équipe de foot. Voilà, maintenant on va boire un coup et libre à vous de venir signer vos livres avec eux. Allez, merci à tous. La soirée continue. Merci.